Bonjour. Comment allez-vous? Comment ça va? Bien. La dame de TikTok. Ah, super. Non, on peut plus m'appeler comme ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas posté une vidéo que... Je pense que je ne suis plus la dame de TikTok. Là, c'est fini. Hein. J'ai essayé de y remettre ce soir, mais... La giga flemme. Hein. Alors, je vais faire un truc qui se fait pas et qui... Je suis désolée si je rebute certaines personnes, mais... J'ai oublié les baguettes. Du coup, on va bouffer ça à la main. Comment ça va? En parlant de doux et onctueux là. Deux secondes là, faut que je vous parle. Parce que... Parce que cet enculé de Pollux là. Non mais parce qu'il faut poser les choses. Il faut... Là à un moment il faut dire les choses. Ce trou du cul de Pollux. Ça c'est le miel que j'achète d'habitude. Qui est un miel bio, qui est très bon, qui est parfait. C'est le miel que j'adore. Je l'aime de tout mon cœur, ok? Aujourd'hui je vais faire mes courses. Je vais acheter mon miel. Celui-là. Juste à côté de mon miel, il y avait cette merde qui n'est pas bio, qui coûtait cher. Mais il est onctueux. J'ai pensé à Pollux et je l'ai acheté. À quel point je suis une sim? Je me suis passée de ma passion, mon miel qui est parfait, qui a été approuvé par le conseil régional de Soussou, pour cette merde. Il a intérêt à être bon, Pollux. Hein. Par contre, pour le coup, il est extrêmement onctueux. Ça, pour le coup, je peux pas lui enlever. Il est onctueux, mais as fuck. J'ai jamais vu un miel aussi onctueux. Mais c'est pas mon miel! Chier! Pollux, tu fais chier, là. Un influenceur. Oh la balade du toutou! Comment il va le gouffre? Terrible. Oh ya! Dégustation pour live 24h, let's go, comme ça on pourra le lyncher en public s'il n'est pas parfait. Vous savez quoi? C'est une excellente idée. Mais genre, par contre, vraiment, il est onctueux as fuck. Hein. Déjà, il est beau. Mais genre, il est vraiment super onctueux pour le coup. Hein. Ok, il est bon. Ok, il est bon. Tu gagnes cette manche, Pollux. Mais si ça avait été dégueulasse. Non, il est bon. Ok, non, je retire, il est bon. Ah, t'as eu de la chance, hein. Tu as eu de la chance, Pollux. Hein. Ça suffit, hein. Est-ce que la cam est trop basse? Est-ce que c'est moi qui suis trop haute? Je ne sais plus. Il s'est rien passé en vrai pendant les vacances. Oh! Pendant les courses. Je me tâtais à... Enfin, je me disais, ah, peut-être que j'aurais une anecdote à raconter en stream. Rien. Des courses basiques. Si, je sais pas pourquoi, j'ai eu la... Parce que je passe toujours aux caisses, vous savez, ou genre automatique, où on passe soi-même ses articles. Et je pense que j'ai eu la pire caisse du monde entier, parce que... Parce que il n'y a pas un article, je vous jure que ça, il n'y a pas un article qui n'est pas passé en mode attendez la caisse, la madame elle va s'occuper de vous parce que le poids n'est pas bon. Tous mes fucking articles ont eu un problème, je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas. Il faut que je me déconnecte parce que je me suis connectée sur compte d'autres personnes. Oh. Putain, c'est grave, il y a mon prénom dans mon adresse mail. Et je viens d'écrire Soussou à la place de Charlotte. Mmh.
on arrive quand même à des endroits qui sont graves. Comment ça, Karmad? Est-ce que tu vas? Comment tu vas? Est-ce que tu vas? J'ai racheté des moumou bonbons. Ah merde. Mais regardez là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les deux musiques en même temps, c'est pas fun fun de fou, hein. Peut-être c'est caca, aller au placard, bien sûr. Évidemment. Soussou, c'est pas ton prénom, choqué. Ah, déçu. C'est exactement ça, Charlotte Dubois. Comment vous saviez que Dubois, si on reste, enfin, si on prend, c'était mon ami. Chaud. Dis-toi, il arrive demain 18h, tech. T'es con. La caissière qui gère les caisses automatiques chez moi croyait que j'essayais d'arnaquer et de voler car la caisse buguait. J'ai mis des articles devant elle, la machine n'a fait que bug, elle s'est excusée. Vilaine. Ça, c'est parce que t'as une tête à claque, tête de coupable. C'est pas... J'ai vraiment envie de passer Bennett C6 d'ailleurs. Je vais choisir si je le fais ou pas, je joue pas de perso physique. Le truc c'est que tu sais pas si tu vas pas avoir un perso physique un de ces quatre quoi. Non? Je sais pas, moi dans le doute je le ferai pas. Parce que ça te sert à quoi de le passer C6 si tu joues pas de perso physique de toute façon, ça sert à rien. Plutôt qu'il arrive demain Minargo. Bon, on coupe la musique. Salut Victoire, comment tu vas? Qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses en même temps. Moumou. Oh non. J'ai cru que Momo était sur mon lit et qu'elle était en train de faire pipi, mais non, c'est mon furet, tout va bien. Là, il fait pas pipi, mais bon. C'est qui a la pire connexion entre moi et Black Flash? Pas de compétition, vous êtes au même stade, les boys. Pour jouer DPS, faire un record avec Utao, et c'est à peu près tout pour le moment. Parce que la C6 de Bennett augmente les... augmente le boost de dégâts? Ah! Pour Utao? Permis d'enfin craquer un coup. Merci Soussou, j'en avais besoin. D'enfin craquer un coup, c'est-à-dire? Ça va, Moumou? Ça va le croissant de la veine? Moumou, le croissant de la veine. Terminer 4 missions quotidiennes, on s'en fout. Qu'est-ce qu'il me manque à obtenir pour le BP? Bon, plein de vœux. Mais avec les primes, les machins et l'event, en vrai, il y a moyen, je pense, qu'on ait le battle pass. Hein. Bah, quoique. On aura peut-être pas assez de trucs. Bah si, parce que ça compte pas dans le hebdo. On va tenter, hein. On va tenter. On va tenter d'avoir tout ça aujourd'hui. On a les primes, les requêtes. On a peut-être une signora. En vrai, la signora, je pense qu'on l'a déjà bien assez faite. Qu'est-ce qu'on a comme matériau de la signora? 14, 10, 5. Ouais, je pense que c'est suffisant. Hein. Il en faut combien des machins? Il en faut genre 3 par truc. Genre dans le gros max, il en faut 9 pour un perso. Et toi, c'est quand la sortie de la bannière? 18h demain. 18h demain. Salut Zach, comment tu vas? Il y a les livres de Chichi, mais une DPS. Ouais, mais je la montrerai pas. Ouais, j'ai le battle pass, ouais. Je vais faire des vœux sur Ito demain. J'en fais 480 des vœux demain. Sur Ito. Voilà. 480 au minimum, hein. En sachant qu'il y aura peut-être aussi 2-3 vœux sur la bannière arme. Ta farm le Scarabruto? Absolument pas pendant que vous le dites. Tiens, j'en ai combien des Scarabruto? C'est pas là, c'est là. C'est là, pardon. Absolument pas. Je pense qu'aujourd'hui, on va se faire une grosse session Scarabruto. Et il en faut combien, vous m'avez dit? 70 aujourd'hui, je suis contente. Nice! Et tu te plains de peut-être pas avoir Ito C6 et deux fois son arme? Ah bah avec 480 vœux, c'est clair que j'aurais pas Ito C6 et deux fois son arme. À part si j'ai énormément de chance, ouais, c'est clair que je l'aurais pas.
Medrakra, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive pour que tu veuilles pleurer? 168. Je crois qu'il va falloir que je vienne ninja vos scarabées si ça vous dérange pas. Et c'est les perles aussi, je crois qu'il faut pour Gourou. Et là, il va m'en falloir un bon paquet aussi. Hein. Tu prends tous mes Scarabuto, je m'en fiche. Oh, trop cute les boys, trop cute. Je suis sûre qu'avec Jongli, MCGO et Gourou Ito, vous êtes trop bien à jouer. Bah, en vrai, non. Moi, ça va être Albedo, Noël, Ito, Gourou. Hein. Moi, ça va être ça, hein, ma team. Bon, faut qu'on fasse la résine de toute façon, parce que... En vrai, j'ai combien de matériaux de boss? Et il faut combien de trucs pour le monter full PV, full niveau? Ah, j'en ai que 28, je crois. Il en faut genre 43 ou une connerie comme ça? 45? Ah! Nanana, c'était mes dents. 46, oh ouais. Non mais j'espère que ça va aller en tout cas mon drac. Hein. 40, 46, 46. Ouais bon bah on va full farmer le boss aujourd'hui. Hein. Full farmer le boss, vous pouvez me rejoindre. Déjà on va être en retard, je pense qu'on va refiler. Hein. Ça me fait chier, ça fait des primogèmes en moins mais... c'est que j'aimerais bien l'avoir 90 dès le début quoi, mais là jamais je l'aurai 90. Hein. Même en refilant... compliqué un peu la sous-sou, t'aurais peut-être dû t'y prendre un peu plus tôt. Hein. Madame, je suis pas l'élique là. Il y a une embrouille entre Ito et Sarah dans le passé sur la cinématique. On ne saura pas ce qui s'est passé. Mais si on le sait, c'est qu'elle lui a volé son œil divin. On le sait. C'est, on peut l'apprendre en lisant les. En lisant les lignes de. Les voice lines de. De Sarah. Ça exergate, comment tu vas? Mais on sait, c'est parce qu'elle lui a volé son œil divin. Pardon les oiseaux. Bien sûr, tu peux m'en parler en privé, il n'y a aucun problème. Je te répondrai à la fin du stream, mais si tu as besoin de parler de quelque chose, tu n'hésites pas. Mes DM Discord sont ouverts pour tout le monde. Hein. Pour tout le monde, les gens. Si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit, je suis toujours dessus. Bon, on aura peut-être le fight dans la quête. Hein. On aura peut-être un rappel du fight dans la quête d'histoire de Ito. Hein. Je vous rappelle qu'elle va sortir là. Hein. Ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a fortement moyen que ça se passe comme ça. Hein. Ah putain, mais c'est vrai qu'il y a cette enculerie de saignement là. Enfin, de je sais pas là. L'escapade, non, pas l'escapade, la quête d'histoire. Tranquille, calme-toi. Oh, le stunlock. Faut que j'arrête de lire le chat en plein combat. Ça ne m'est pas utile. Ouais, comme pour chaque Snoo 5 tard, ouais, tout à fait. Da 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 da. Mon potal. À l'attaque. C'est une autre chose, comment tu vas? Voilà. Une question sur le fait de pas le faire sur Chichi, est-ce que le bonus 4 pièces prend si elle n'est pas sur le terrain? Oui, bien sûr. Tout à fait, il va être là. Juste, il va être beaucoup moins impressionnant, mais il va être là, clairement. Boken, boken. Oui. Je vote pour. 4000 avec ma Chichi avec sa boule sans coupe cryo. Stylé. Oh, sans coupe cryo. Ah non, 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 non. Il faut pas une coupe cryo. Hein. Sky Mini, il faut pas une coupe cryo. Il faut une coupe en attaque pourcent parce que ton. En fait, ta boule, elle ne fera pas des dégâts cryo. Hein. À moins que tu parles de la boule de ton E.
Mais si tu parles de la boule de ton set pas lourde, c'est du dégât physique, hein, pas cryo. Hein. Et même si tu mets une coupe bonus de dégâts physiques, ça n'augmentera pas ton truc. Tu peux pas augmenter tes dégâts physiques pour influer les dégâts de la boule, mais tu peux réduire la résistance physique des ennemis. La boule du haut. Ok, d'accord, ça marche. T'entends un peu moins bien que d'habitude, je trouve. Non, j'ai pas changé le son du jeu. Vous m'entendez moins bien? Oh oui. Vous m'entendez moins bien? C'est fort possible, hein. Peut-être mon micro qui est mal orienté. Salut Marty, comment tu vas? Bonjour à toutes les personnes onctueuses de ce chat. Ah. Non, c'est toujours 3477, hein. Bon, que donne cette coupe? Qui est un sablier, en fait. Ça donnait quoi? 10% de taux crit, ça avait pas mauvais... Enfin, ça avait pas mal proc, hein. Bon, ça, c'est pas ouf. On peut utiliser ça. Il ou le sablier? L'un. On t'entend. On t'entend, let's go. Tabi wa itsuka owari o mukaeru. Awateru hitsuyou wa nai. Ça, il aurait fallu pour une... Pour un set, j'allais dire pour un set Noël, mais non, même pas, il faudrait de la def. Ça vous savez sur qui ça irait très bien? Ça, ça irait bien sur un Diluc avec l'arme d'Ito. Ça, sur un Diluc avec l'arme d'Ito, oh, le stonk. Oh, le stonkage. Ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde, ça, c'est dommage, en vrai. Il y a un monde où c'est utile ou pas, ça? Non, il n'y a pas, hein. Chichi, non, elle a pas besoin de taux crit et de dégâts crit. Chichi. Oh, le x2. Oh, le dégâts crit. On est en face d'une vraie dinguerie, par contre. Hein. Oh, la beauté! Attendez. Parce que... Ah, mais ça me permettrait de mettre un autre artefact... Ça me permettrait de mettre un autre artefact meilleur ailleurs? Genre en plume ou en... Je peux vraiment avoir mieux que ça? 21-6-6. Je crois que je peux pas avoir mieux, hein. En vrai, de vrai. Et en plume? Cette 4, 25. Pourquoi j'ai pas ça? Ah, parce que j'ai pas d'attaque pour cent dessus. Bah fuck. Bah même avec ça, en vrai, je peux pas changer. Hein. Putain, pourtant, il est magnifique ce sablier, wesh. Ah, je peux le mettre sur... Oh oui! Oh, le step up! Oh, attendez, la dingue! Oh, bon, il y a vachement de taux crit, mais oh! Elle est à combien de taux crit? Yes! Let's go! Oh, ma beauté! Ma beauté! Ma beauté! Oh oui! Meilleure coupe! Bah non, parce que ma coupe, elle est sur le set Geo, elle est pas sur le set Glad.
Je peux pas ma... Ah, ou alors faudrait que je change ma... Genre une plume en géo. J'ai pas de plume en géo qui est bien. Et j'ai pas de fleur en géo qui est bien, je crois. 21 de dégâts, 9% d'attaque. Non. J'ai pas de truc géo qui est bien. Salut Steven, comment tu vas? Bon bah au moins c'est un step up pour ma pépette. Au moins c'est ça. C'était quoi? C'était ça? T'avais quoi comme stat avant? T'as par contre 13% de crit, en vrai c'était pas dégueu non plus quand même hein. Ouais elle avait 62-122. En vrai ses stats étaient un peu plus équilibrés avant. On est à combien? On est à 26-4. Ouais là on est à beaucoup plus quand même. Ça je pense qu'on va le garder quand même au cas où mais... Je sais pas trop. Ah bon. Bon. Viens voir ton jongli. Mon jongli. Mon jongli. Non mais... Les filles! Mais ça suffit, mais enfin! Mais enfin! Qu'est-ce que c'est ça? Tu vas faire sur l'arme d'Ito? Oui, je vais essayer de choper l'arme d'Ito, je vais essayer d'en choper deux. Ouais. Fais le calcul vite fait pour voir si le ratio 1-2 était pas mieux. Non, mais en vrai, je préfère comme ça. Hein. Il y a plus de crit value sur ce sablier-là que sur l'ancien. Comment on est censé gérer l'équilibre entre TC et DC? Je comprends pas. T'es censé pour avoir, pour un point de taux crit, avoir 2 points de dégâts crit. C'est-à-dire que pour 50% de taux crit, t'es censé avoir 100% de dégâts crit. Et pour 100% de taux crit, t'es censé avoir à peu près 200% de dégâts crit. Dans les faits, moi ce que j'aime bien en vrai, c'est que tu as 50-100, donc 50 de taux crit pour 100 de dégâts crit. Donc pour 1, tu as 2, on est d'accord. Et passer ce cap-là, j'aime bien pour 1 point de taux crit avoir 4 points de dégâts crit. C'est-à-dire que pour 75% de taux crit, t'auras 200 de dégâts crit. Moi, c'est ce que j'aime bien faire. Jusqu'à 50-100, c'est 1 pour 2. Et une fois que t'as passé 1 pour 2, tu fais 1 pour 4. J'ai ta poule l'arme d'Ito pour Yula. Je vais lui mettre un casque TC et j'aurai plus assez de DC. On va perdre pas mal d'attaques vu qu'elle a la mort du jeu actuellement. Je sais pas quoi faire. Je pense que la mort du jeu sera mieux quand même. Hein. Je vais prendre Ningu. Ningu, Ningu, ni. On a un heal? Ouais, on a un heal. Salut Casey, comment tu vas? Salut! Ça dirait de taper en fait les boys. Aïe, j'ai mal. Aïe! C'est moi, je souffre! Coucou! Moto Hayaku! On lance quand même une tempête. Voilà. Sayonara. Parfait, parfait. Laisse-nous ton pire. Quoi? Bah non, du coup. Bah non, du coup, en fait. Parce que du coup, non. Non, mais parce que ça aurait pu être possible, en fait, non. Je viens de vérifier 55, 150 c'est mieux. Oui bah il y a plus de crit de Valuk. Qu'est-ce qu'elle a sur le paravent? Oh broté parmi les brotés. T'as pas vu mon coucou du coup? Ah merde, salut Fairy Lols, comment tu vas? Je dois partir, je reviens d'ici 1h30. Bisous Dark Fury. Qu'est-ce que tu veux ma grosse patate? Qu'est-ce que tu veux ma grosse patate? Par contre, je peux en avoir 3 ou c'est en option? Genre please? Genre s'il vous please? Salut Fox Limitari. Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue parmi nous. Tu montes? Monte? 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 Beauté.
viens là, maman. Monte. Monte sur maman. Viens sur maman, ma belle. Maman. Non, mais. Maman. Viens sur maman. 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 Viens sur maman. Koroku nananana. Salut Cypher, comment tu vas? Disperser la brume. Bien, dispersons la brume. Dame Soussou, vous avez loupé mon message, du coup je repose la question. Est-ce que j'ai l'autorisation de vous mentionner dans une de mes stories Insta? Bah oui, pourquoi pas, y'a pas de soucis, moi je m'en fous. Hein. Faites donc, mon brave, faites donc. Quel serait mon... Ah bah cool. Ah bah, let's go. Super, super. Quel serait mon intérêt à vous dire non, mes boys, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Hein. Tant que c'est pas un truc giga raciste ou quoi. Ça va, hein. Mais Toxicoucou, comment tu vas? Comment ça va, ma douceur et mon onctuosité? Beauté parmi les beautés. Ça va, ça va. Comment ça se passe, le taf, la vie, la copine, la famille, les amis, les enfants, le... Les pommes de terre. Enfin, ça va? Non. Je peux dire, il est trop bon. Hein? Ah. T'as regardé la vidéo intro de Ito? Je l'ai regardée le moment même où elle est sortie, mes amis, puisque j'étais encore réveillée. D'ailleurs, les boys, non, mais on peut le faire à... On peut faire en... Ouais, j'étais encore en train d'éditer les vidéos. D'ailleurs, sachez qu'il n'y a plus qu'une seule vidéo dans les dernières qui sont sorties qui n'a pas encore les timestamps. Toutes les vidéos ont les timestamps sauf la dernière. Oh oui, tiens, un petit peu. Ça n'a pas marché, du coup, ça m'a fait sortir de la zone. C'était pas le fun total. Pardon? Oh, quelle beauté! Parfait. Taf, ça va, la copine a dit oui, quoi? Comment ça, la copine a dit oui? Comment ça, elle a dit oui, la copine? Par contre, GG pour les miniatures de tes vidéos et les titres. Oh, merci Anis, en vrai, ça me fait trop plaisir. J'y mets trop mon cœur et tout, hein. Mais Mirai et Poki, ils savent parce qu'ils étaient là quand je les ai fait, mais en vrai je trouve ça tellement fun. Mais bravo, mes Toxi, mes félicitations. Je suis trop contente pour vous, c'est trop cute. En même temps, ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble, bande de BG, là? Ça faisait un paquet de temps, en vrai, hein. Bam. Bam. Oh, les Danaïs. Faut check les photos des filles de Soussou sur OnlyFans. Foncez mes boys, foncez, hein. En ce moment, avec le code Soussou la chaudasse, vous avez au moins 10% sur vos 3 premières photos de pieds. Je suis quelqu'un de soumis et de généreux. 3 ans et on prévoit de faire ça en rentrant de notre voyage en Amérique centrale. Ah ouais. Bah écoutez... Je suis trop contente pour vous, en vrai, ça fait trop plaisir. Mais c'est prévu pour quand votre voyage en Amérique centrale? Monte, maman. Monte. Beauté. Bah, beauté, ma voix. Fais-moi un bisou. Maman, bisou. Maman. Maman. Non, mais tu es en train de sniffer, mais. Tu es en train de sniffer, mais. Tu veux un sushi? C'est ça, tu veux? Tu veux un sushi? Coucou ce matin, comment tu vas? Tu veux un sushi, maman? Y a pas de sushi? Ouais? Non. Tadam. Normalement, septembre, ça fait 2 ans qu'on le repousse à cause de Pouléo.
qui a mangé le pangolin. Oh, le vilain. Bah oui, je sais bien. C'est pour ça que je me questionnais, parce que ça doit être chiant. Acheter un porte-clés lance de jade ailée. En plus d'être énorme et donc de ne jamais perdre vos clés, ça sert d'ouvre-lettre. Oh, stylé. Et d'arme d'autodéfense. Style accent gigamax en vrai. Moumou, c'est mes sushis. Toi, tu as tes... Bon, allez, un petit bout. Mais alors vraiment un tout petit bout, mon puce. Hein. Lequel tu veux? Tu veux ça? D'accord, mais un tout petit bout, d'accord? Mon puce. Attends, non, c'est fermé. Non, c'est fermé. Tu attends. C'est ça, tu veux? Viens voir. Tiens. Moi, j'ai petit bout de sushi. Tiens, mets un petit peu de poisson. Le bon riz glu-glu. On a aussi recueilli un chat à la maison depuis octobre. Elle avait été abandonnée, donc on l'a fait vacciner, stériliser. Maintenant, on la garde. Oh, vous l'avez appelé comment? Vous l'avez appelé comment, la pépelle? Et vous savez quelle année là? Sushi! Oh bah let's go! Parfait. Parfait, parfait. Aïe! Oh mais pas mal les choses. Aïe! On va refaire un wolf. Mais je suis trop contente pour vous, en vrai c'est trop cute. Trop contente, trop contente. Environ 5 ans. Ah oui, c'est une petite mamie. C'est une petite mamie pépette. Bouge la mouche. Bouge la mouche. Putain, elles sont endormies les mouches, ça me saoule quand elles sont comme ça. Il va nous falloir une nini. Hein. Mais pourquoi le son il est bizarre? Attendez, je pense que... C'est pas ce câble là? 2 secondes. Non, moi je sais pas. Je ne sais point. L'agression envers les géos sont interdits. N'est-ce pas les fatuis? L'agression envers les géos? Ah oui, non. Interdiction. Hein. Interdiction. Mes colocs, elles en ont marre de te voir parce que je regarde ton live quasi tous les jours dans le salon. Oh! Comment ça, elles en ont marre de me voir? Bande de vilaines! Qu'on s'explique là un peu les colocs là. Qu'est-ce que c'est cette histoire là? Depuis quand on en a marre de me voir? Honteux. Honteux. Oh, c'est honteux! Oh non, l'ulti qui part dans le fiac! Let's go! Du ninja, mon monde, je suis dispo maintenant parce que j'ai pas le droit au PC longtemps. Faudrait que je vois ça une fois que j'aurai terminé mon boss. Ouais. On va se faire un bon gros farm scarabée, etc. etc. là. On va faire ça, on va faire ça. Promis, promis. Aïe! Non, 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 oui! Nice. Allez, on peut en avoir 3 s'il vous plaît par contre des matériaux? Alors c'est pas ça qui va changer grand chose, mais en vrai, ça peut m'éviter d'avoir utilisé encore 40 fucking trucs pour rien. Bon. Un petit truc à 3 en vrai. On dit jamais non. Enfin, un boss, attends. Putain, mais nique ta mère, le loup! Qu'on soit d'accord. Nique tes grands morts. Bon, je peux encore en faire un. Je vais chercher mes scarabées, en vrai. Je sais pas trop où ils sont, mais... Je crois qu'il y en a par là. Je crois, il me semble. Nanana. T'as compris, le loup, tu prends ta maman et tu la labours. Bien sûr. Il faut labourer la maman. Oui. Enfin, uniquement pour le loup, hein, pas vous. Hein.
prenez pas mes conseils. Après, vous faites ce que vous voulez, mais bon, c'est pas recommandé par la Société Française de Labourage des Mamans. La SFLM. Ça m'a pris beaucoup trop de temps pour faire ces lettres. En tout cas, sachez que c'est pas accepté par la SFLM. Enfin, c'est pas approuvé comme message par la SFLM. Voilà. Ah ! Ah ah ! J'en ai un. Nom 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 nom. C'est quoi les autres trucs ? Ah oui, c'est les perles. Oh, les perles, ça va être la giga truc chiante à faire. Hein. Ça va être giga méga chiant à faire. Hein. Non ? J'ai l'impression que ça va être très très relou. Si je ne m'abuse. Oh, y'en a un là. Oh ya ! T'en as raté un. Oh non ! Pourquoi est-ce que je suis la pire des merdes ? Oh, c'est si triste. Attendez, ça me fait monter ça. Oh oui ! Monte-moi ! Enfin non, mais c'est pas... Enfin, vous avez compris, quoi. Bon, on va se retéper. Attendez, si vous en irez, tiens. T'es malade, là, qui court partout, là, cette bande de beauté. Passer une heure à faire les cristaux bleus manquants pour fabriquer le détecteur de coffres électro pour 3% sur des coffres qui ne sont pas détectables. Let's go! Mais après ça, pour les coffres, vous savez, vous pouvez me demander si surtout si c'est des 3%, c'est gratuit, mes boys. Hein. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Il est où, Doros? Doros? Plus bas. Et Doros? Ah là! Putain, il est vénère, Doros. Il a même mis un smiley qui est pas content, quoi. Terrible. Salut Azona, comment tu vas? Merci beaucoup pour ton follow, tu es venu parmi nous. Direction mon bébé Yoda. Oh nice! Tu vas en faire quoi? Rien, d'accord. Ok. Mais Moumou, t'as des verres dans ton cul pour bouger autant? Grosse truite! Oh là, y'en a un, je l'ai vu. De mes petits yeux, je l'ai aperçu. Aya! Tu peux venir chercher mes perles et mes scarabrutos, je m'en fiche. Putain, mais vous êtes tellement beau. Regardez ça, le soutien que vous apportez à votre streameuse préférée là. Comment ça, vous êtes pas ma... Je suis pas votre streameuse préférée. Faites genre. Hochez la tête. Oui. La streameuse préférée, Soussou. Oui. Tout à fait. Du coup, j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-nous tout. Dis-moi tout, Melwivik. Je suis là pour toi. Maman Soussou a la réponse. Enfin, peut-être. Ah bah parfait, l'exploration, parfait, la streameuse préférée, oui. Bien sûr. Oh putain, Mirai, chut, ça va aller. Mirai, chut, tout va bien. Tout va bien, mon chat, tout va bien. Chut, ça va aller. Pas de truc. Ah mais, putain, tu m'as fait peur, Moumou. Mais c'est Gorou qui fait détecter les... Ou c'est Ito? Non, c'est Ito. C'est Gorou. C'est lequel qui fait détecter les produits spéciaux de Inazuma, là? C'est Gorou, je crois, non? Je sais plus. Moi. Et t'auras pas un autre sushi, hein? Déjà, j'ai été gentille, je t'en ai donné un demi, là. Gorou? Ok, d'accord, très bien. Mais Moumou, on n'ouvre pas des pages random, voyons. Bout. Parmi les beautés. Oh oui, je suis censée deviner l'idée, ouais. C'est comme ça que ça fonctionne en vrai. C'est pas le géogasseur, c'est UID gasseur. Oh, là, en l'air. C'est moi, je l'ai vu, c'est pas toi, Hydros. C'est moi, je l'ai vu. De mes propres petits yeux. Bonjour, toi. Ah, mais c'est parce que t'avais une petite mouche sur ton petit fessier, Moumou. Il y a des scarabouteaux vers les... Ah, vers les racines du cerisier. Wow. Et il y en a par là. Bonjour. Je suis à la recherche de Scarabruto. Connaîtriez-vous des Scarabruto? Tu cherches des Scarabruto dans ta région? Envoie Scara au 12-12-12. Scara au 12-12-12. Let's go. Il faut grimper, Ningu. Merci ma beauté. Tu es douce et onctueuse. Comme ceci, exactement comme ceci, Melwivix. Vous avez passé le test. Vous êtes à présent membre de l'équipe d'exploration. Pour patienter pendant que Soussou se prépare à faire votre exploration, veuillez prendre un petit quelque chose à Nom Nom. Là.
et profiter du paysage. Les serins brutaux, il y en a tout plein. Scarabin brutaux. C'est tout? Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal en vrai. En vrai, ça a tellement d'avantages d'être streameuse. Genre là, j'arrive, je vous dis bonjour, il faut des brutaux et vous êtes là. Oui! Oui, c'est moi, je reconnais, c'est moi, c'est pour moi, c'est mon call. Pat Carbo, j'aime ton pseudo, merci beaucoup. Il y en a aussi ici, mais il me dit ça une fois que je suis arrivée tout en bas, ce trou de cul. Ah là, il y en a un, effectivement. Je peux pas monter là, si? Ah si, par là. Je pense que ça irait plus vite en descendant, mais bon. Where's the fun in that? Salut Brescal, comment tu vas? Et merci Kyukyukrabi, merci pour ton follow, bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien. Que tu passes une douce et onctueuse journée. Comment s'est passé votre week-end d'ailleurs? Vous avez repris le boulot, vous avez repris les cours, là ça se passe bien? Pas de problème notable, pas de grève de transport de cul, pas de... Enfin, tout va bien quoi, hein? Si? Non? Peut-être? Ouais. Grimpe droite devant toi, grimpe droite devant toi. Ça passera jamais là, si? Oh, ça passe. Ouais, ça passe. Let's go. Merci. Et c'était en bas l'autre? Très bien. Ouais. Merci. Et merci Zof pour ton follow. Merci beaucoup pour ton... Pour ta... Pour... Et là. Merci beaucoup pour... Putain, j'arrive pas à faire ma blague. Merci beaucoup pour vos offres. Putain, elle a pris trop de temps à se mettre en place. Fait chier. J'aurais tenté. Ok. Eh ben, on va refaire un baisse. J'arrive pas. Mon humour est cassé aujourd'hui. Il est en vacances. Comme le papa de Forrest Gump. Il est en vacances. Pour ceux qu'on l'arrête, je vous aime. Ça farme que maintenant pour Ito. Eh ben, on se sleek pas, donc oui. Alors, tranquille, je suis streameuse, donc je suis un peu... Tu vois, je veux juste à demander, les gens m'offrent, quoi. Donc, en vrai, bon, je suis pas sûre d'avoir besoin de farmer en avance, comme la plèbe, quoi. Moi, je me réveille le jour au lendemain, et je suis là, genre, bonjour, il me faut Ito C6, niveau 90, tout de suite, avec son arme R5, et voilà, quoi. J'ai juste à claquer les doigts, en fait, c'est... Je me laisse. Alors, trop famous, quoi. Exactement, voilà. T'inquiète pas, Soussou, c'est le début de semaine, on est tous pas réveillés. Ouais, franchement, ça va. Hein. Et en plus, j'ai dormi. En même temps, j'ai dormi cette nuit, j'ai dormi. En vrai, ça va, j'ai dormi 4h30. En vrai, ça va. Ça pourrait être vachement pire. Hein. Mange ça dans ta. Je crois qu'il y a des mots comme ça, je devrais pas prononcer. Hein. Aya! Aya! Oh oui, le heal. Oh, le heal. J'ai couronné ma Yanfei. Oh, nice, Coco Goat! T'as couronné quoi sur ta Yanfei? Les auto-attaques? Claquer les autres, j'aurais dit autre chose perso. Ah, on claque tout ce qu'on a sous la main, mon boy. Hein. S'il faut claquer des fiacs, on claquera des fiacs. Hein. Bien. Aïe! Pute! Ah bonjour. Bonjour. Tiens, chais. Chais le wood. Chais. Moira. Bonjour. Salut Bloody Chef, comment vas-tu? Putain, mais par contre, est-ce que je peux avoir plus de deux trucs? Putain. Oh, que ça me casse les pétasses. Oh. Début de semaine, on est jeudi là. What? Hein? Non? Je crois pas. Ça semblait pas. Oh, merci pour ton prime, Bloody. Merci beaucoup. Quelle beauté. Momon monte. Elle me saoule. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Tu es un ascenseur, Momo, tu es un chat. Hein? Qu'est-ce qui est noir et blanc qui monte et qui descend? Ce n'est pas un ascenseur, c'est Moumou la reine des connes. M'envouille, mon puceau, que tu es belle. Oh, attendez, regardez-moi cette tête-là. Regardez-moi cette beauté-là. Oh, oh, bah ouais.
Oh oui, oh, le micro, c'est bien ça. Hein? Oh, et ça fait du bien, ça dégratte tout ça. Hein? Nanana. Oh, du gratouille. Oh, du gratouille. Oh, j'avoue. Oh, j'avoue. Oh, ça fait du bien ça. Oh, ça fait du bien ça. Ouais? Non? Encore? T'enlèves ton pull, effectivement. Quand je m'approche, toi tu recules. Comment veux-tu que je t'emmène? Ah, ça y est, c'est le moment là. Oh, le chat. Oh, la violence là. Oh! Oh, je souffre tellement. Oh là là. Oh là là. Aïe aïe aïe, ça c'est, ouais, ça c'est des crocs très très profonds dans ma peau ça. Oh là là, je ne sais comment je vais faire pour survivre à cette attaque pernicieuse et sourdoise. Oh. Oh oui. Oh, ça mord fort là. Oh, ça mord fort là. Oh, attaque mou la jugulaire. Oh, la morsure fatale, là c'était un coup critique, hein, Soussou était... Là c'était très très efficace, hein. Là c'était coup critique, KO en un coup, hein. Là on était sur un KO technique, bim bam boum, j'arrive, je te tue, hein. Oh là là. Il t'en manque combien sur les 168? De quoi, des brutaux? Des scarabs brutaux? Un petit paquet. Yosh, pasta. J'en ai 73 et des perles, j'en ai que 54. Faut que j'aille chercher les miennes d'ailleurs. Mienne d'ailleurs. Là. Ah, Moumou, elle utilise toutes les compétences des Pokémon réunis. Hein. Moumou, c'est un ultra laser qu'elle utilise sur moi. Là. Ultra laser de mignonnerie. De beauté. Des perles pour Gorou, je crois. Hein. Non? Nananana. Il me semble, je crois. Je crois que c'est les perles pour Gorou. If I'm not mistaken, which I might be. Oh, blablabla. Bla, bla, bla. Na, 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 na. Parfait. Je crois que les autres, elles sont genre là en bas, non? Mon rayon laser d'amour. Ma fille! Mon utilise gros bisous. C'est Moumou la reine du cône en fait. Aïe. Oh mais putain, mais je suis vraiment trop trop forte quoi. Comment j'ai su ça? Putain, les explorations ça aide vraiment à tout hein. Vous avez vu ça, comment j'ai mémorisé l'emplacement des perles sans avoir vraiment cherché à le faire là? Oh, quelle douceur. Quelle onctuosidad. Yeah. Ah non, non pas la no... Non. Non, non. Merci. Mou moche, oui, Moukouen. Si tu veux mes perles et mes scarabruteaux, mon idée, je vous donnerai ça tout à l'heure. Faut d'abord que je fasse les miennes, et après j'arrive chez vous. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez m'appeler la Castafiore. À ne pas confondre avec la Castécouille, ce qui est aussi un petit peu mon rôle, hein. Étant donné mon expertise dans le domaine. La casta chiante. Est-ce qu'Emini a quitté votre monde? T'as vu ça un peu? Quelle violence, quel méchant. Il est pas gentil. Il est ni doux, ni onctueux. Un peu pas comme mon miel, quoi. Parce que mon miel, il est vraiment très 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 onctueux pour le coup. Vraiment sur 20, on est sur un onctueux, quoi. Onctueux sur 20. Bien prononcer le kt, comme Cthulhu. Cthulhu. C'est tout? C'est déjà pas mal. Ok. Je pense qu'il y en a ailleurs, mais giga flemme. Bon, les boss c'est fait, le machin c'est fait. On a besoin de faire ça. Je t'aime beaucoup, mais moi aussi je t'aime beaucoup, mon Topiyuki. Aucun matériau pour Ito et Gorou n'ont été annoncés. Non, c'est pas vrai.
C'est pas vrai, c'est pas vrai? Ça fume métal! Merci beaucoup pour ton follow, bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien. Et bien sûr, 69 dédicace à Murai. Cthulhu. Le Cthulhu. Tu dois déjà savoir, mais tu as deux spots rapides avec 6 carabrutons et l'autre 5. Ouais, les trucs et les machins, ouais. Ouais. Je serai la place de Camini, j'attendrai que notre reine Géo me tâche de son monde. Eh oui, hein. Mais bon, que veux-tu, tout le monde n'a pas l'illumination divine de la reine Cerise. Et regardez ça, c'est 3, 2, 1, comme ça qu'on vire des gens de son monde. Et ça, c'est pas putain. Ta-da-da-ta. Pourquoi je suis là? Aucune idée. Oh, faut que j'achète... oui, lait, oui, truc dans le... oui, tailleur. Dans les annonces, il y a la récompense de l'essayer, c'est adopté. Du coup, on voit les matériaux, il me semble... oui. Tout à fait. Tout à fait, bien sûr, ouais. Même pour Goron, on savait à l'avance parce que les bouquins qu'on récupère dans l'escapade, en fait, hein, c'est les bouquins qu'il faut pour lui. Hein. Tout à fait, hein. Bien sûr. Ouais. Alors. Ça, merci. Oh, faut que je cuisine des plats et que je fasse des minerais. Oh oui. Beauté. Salut Dorion, comment tu vas? Oh, Moumou. Bah alors, la reine des moumouettes. Tu as décidé d'être très très chiante aujourd'hui. Toi, ma grosse crotte. Saute. Beauté. Quelle femme. Toujours pas débloqué le nouveau donjon. Bah, y'a rien à faire vraiment. Bah, à part avoir l'île, quoi. Mais à part ça, tranquille, hein. Tranquille. Soussou avec une voix relou, ma faiblesse, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Tout à fait. Ouais. Moi, ce que je pense, c'est que t'as plutôt raison. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quoi qu'on a? Où qu'on... T'es hier! Par là. Oh. Je sais pas si tu aimes les univers Harry Potter, la bande-annonce des Animaux Fantastiques 3 vient de sortir. Et il est toujours viré ou pas Non, c'est toi, tu sors. Je suis chez moi. Il est toujours viré, Depp. Eh ben, je regarderai pas, alors. Ils vont se faire enculer, ces petits-fils de catin. Voilà. Tu peux nous refaire un ouais, je suis plié de rire. Oh, ouais, non, mais... À pire, sinon vous me donnez pas d'ordre en fait. J'estime que je suis une personne indépendante et forte, ok? Je comprends pas comment vous pouvez penser que vous avez le droit de me donner des ordres en fait. Clairement pas quoi. Enfin, regardez-vous, faites un peu une rétrospection en fait. C'est super important de rétrospecter dans la vie. Ok? Mmh. Bien sûr. Tout à fait. Oui. Alors, ça c'est fait. C'est contre nature, hein. Bien sûr. Hein. Un film sans Depp, pas un film. Oui. FF14 pue le cul un peu. Ah bon? Je sais pas. Jamais essayé. Connais pas. LOL, PTDR, pas lu. Hop, ça c'est bon. Hop, ça c'est bon. On a récupéré ça. 7400, c'est un bon chiffre. Sur 20, on est sur un bon chiffre. Bazar du royaume. Oh oui. Oh oui. Et paf. Ça, c'est la beauté. Ma lumine fait plus de 30k avec tout. En tout, avec son ulti géo, sans coupe géo. Putain, c'est... sans coupe géo? Pourquoi tu l'as pas mis une coupe géo? Terrible. Première fois de ma vie que j'ai envie de t'en mettre une. Oh non. Nero. Moi non. 80 heures de jeu pour taper des mobs dans le désert, non. Ah ouais? J'ai pas de coupe géo. Ah merde. Moi j'ai pas de problème avec les gays, c'est même un homme qui m'a appris la vaisselle, mais je me souviens, c'est contre nature en... Oh, quelle angoisse. Y'a vraiment des gens qui disent ça?
Et de rose, hein. Tu peux m'apprendre à faire la vaisselle, Béjian. S'il te plaît. Je dis pas c'est contre nature un homme qui fait la vaisselle, mais... Oh. Ido rose. T'es beau. Regardez-moi comme il est beau, ça, cet homme-là, là, cet homme géo, là. Hé, hey, pchut, reste là. Au coquin. Oh, cette synchronicité. Regardez ça comme il touche à peine le sol, cette beauté, là. Regardez les petites patounes, là, qui touchent pas le sol, c'est cute. L'ordre pour monter les aptitudes d'Ito, c'est... Bon, non, c'est foutre rien, puisqu'on connaît pas ses aptitudes, vraiment. En vrai, je pense qu'il faudra tout monter, puisque c'est un main DPS, mais faudra voir. Faudra voir, hein. C'est pas le bon set et c'est un violet. Ah oui, non, effectivement, c'est pas incroyable. Bon, bah, on peut partir. Je vous invite. Merde, putain, ça risque pas là-dedans. Je vous invite, mes amis, à m'envoyer vos UID pour que je puisse rejoindre vos mondes respectifs, s'il vous plaît, pour farmer vos brutaux scarabées et vos perles, s'il vous plaît. Merci. Qui ont rejoint mon monde. Au secours, j'ai peur, il essaie de me prendre mes fleurs. Tège-le ! Tège-le, Sky. Oh putain, la vache, il y a du monde. Sky Mini, t'as été premier. Let's go. Multijoueur. C'est parti. Moi. Ah. Et bien après. Vu qu'il enchante ses autos, à mon avis, c'est comme Noël, ult, auto, skill. Je pense aussi, mais faudra voir sur le. Ah! Alors, les perles. Là. Je vais prendre un autre petit sushi. Salut Titanium, ça va et toi? Beauté. Et t'as pas fait ça là, BG? Tiens, une petite exploration gratuite là. Ah, mais y'a plein de trucs que t'as pas fait là en fait. Ok, pardon, my bad. Ok, my bad. Miam. Hop, ça c'est fait. On va là. Petit sushi. Hop. La douceur et l'onctuosité. J'aimais bien les sushis. En vrai, j'aime pas les sushis. Mais je trouve que... genre ceux-là, hein, ils sont giga bons. Ah non, ils existent pas, cela fait chier. Sad. C'est pas que... Enfin, ouais. Sushi chez Gotthier. Après, les bons sushis, c'est Gotthier, quoi. Parce que les sushis dégueu, bon, bah, c'est dégueu, quoi, comme le nom l'indique, hein. T'as plein de choses à faire partout. Là, il y avait un coffre en face de moi. Ah, wouhou, c'était limite, hein. On était sur quelque chose de très léger, là, hein. Pokéball. Oh, c'est trop bon, ça. Je m'en fais plein moi-même toute seule. C'est trop bon, ça. C'est juste du riz blanc avec des légumes et du saumon. En vrai, moi, je mets. Et je mets de la sauce soja salée aussi. Parce que la sauce soja salée, j'en mets partout. C'est pas bien, mais j'en mets partout. Salut Bene Uwe. Merci beaucoup pour ton follow, Bene Uwe. Est-ce que c'est Bene ou est-ce que c'est Benet? Tel le Benet Uwe. La 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 la. On va par la 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 la. Je suis demeurée, j'ai oublié de prendre les loot après le boss Ashda. Ah merde. Oh, ça m'est déjà arrivé, hein. Donc si tu es demeuré, sache que moi aussi, on est demeuré ensemble. Woupow! Easy. On est dans la même team et ça c'est beau, putain. Ça c'est doux et onctueux. Oh non, c'est pas ouvert en dessous. Oh non. Oh non, mais t'as rien fait en fait, BG. Faudrait que je m'occupe de ton exploration, toi, Sky Mini, parce que là, ça va pas du tout, ça. Ça va pas du tout, ça. Pas du tout, ça. Sushi, saumon, forever. Ah, bien sûr. Bien sûr, évidemment.
Oh, j'aurais dû faire un petit top of the morning to you ladies. Mais j'ai pas eu les... le réflexe. J'aurais adoré vous tuer à l'aide de cette petite phrase. Oh, mais faut revenir ici avec la nouvelle Pokéball là pour choper les renards et tout là. Le giga stonk stonk là. Et tout le scarabée que j'avais oublié chez Hydros. Enfin, que Hydros est rentré. J'ai oublié. C'est my bad. Là? Non. Je sais plus. Là, il y en a, c'est sûr. C'est quoi la Pokéball? La récompense d'event? C'est un truc qui te permet d'attraper certains petits animaux dans le monde. Genre les renards, les corbeaux, les trucs comme ça. Tu peux les mettre dans ta théière après. Plus haut, t'es passé devant? Ouais, bon, t'as son, hein. T'as son. Oh, il y en a un sur le mur, c'est vrai. Le mur. Non. Je refuse. Je m'y oppose, messieurs, fermement. Regardez-moi, c'est la tête que je fais quand je m'y oppose. Vous l'avez retenu? Très bien. Elle reviendra sûrement en tant que petit caméo dans mes streams. Regardez. Voilà, là je m'y opposais. Si vous avez capté un petit peu les nuances. Parce que là je m'y oppose. Voilà. Mais là, je suis plutôt contente, en fait. Dans la globalité des choses, quoi. Ouais. Papa. Salut ta DJ, comment vas-tu? On m'a dit c'était plus haut. Allez plus haut, là. Allez plus haut. Je suis désolée pour vos oreilles, vraiment. C'est un... Je m'excuse. T'as le coffre timide? Ah, mais il y a cela aussi. Quelle douceur. Il me l'a rappelé en étant loin de moi. Et ça, c'est beau, putain. C'est la boule de laine, Soussou, la boule de laine. La boule de laine. Ah, ça, là, oui, c'est ce que j'ai là. Là, c'est le W, là. Ça, vous pouvez faire... Aya! Et attraper des petits renardos. Les voler à leur maman. Et les élever pour qu'ils... Oh, fun fact! Fun fact, il y a une meuf aux États-Unis qui a été arrêtée parce qu'elle entraînait... Genre, ils l'ont chopée, elle avait des cages chez elle avec genre une trentaine d'écureuils dedans. Et en fait, elle entraînait les écureuils à attaquer des photos de son ex. Et son but était... Les testicules, hein, de son ex. Et son but était de dresser les écureuils pour qu'ils attaquent les testicules de son ex. Voilà, c'était le fun fact du jour. J'en aurais plein pour vous à travers tout le stream, évidemment. Voilà. Je crois que ça s'est passé au... En Floride. Voilà. Maintenant, vous êtes prévenus. Bien sûr, ça part de Tessie. On parle de tout ici, bien sûr. Melvivix, pardon, tu n'as absolument pas besoin de spammer la commande. Hein. Je l'ai vu une fois, la poster 12 000 fois. Ça ne sert à rien, ma beauté. Ne t'inquiète pas, je suis absolument pas en exploration pour l'instant. Je suis en train de récupérer des trucs pour moi. Donc vraiment, spammer le truc ne sert à rien du tout. Ok, ça va. J'ai cru qu'on furet était en train de grimper au mur. Et après, je me suis rappelé que c'était pas possible. Puisque mes furets ne sont pas des geckos. Que beaucoup prononcent gecko, je supporte pas qu'on prononce ça des geckos, donc je dis gecko. Après, vous pouvez prononcer ça comme vous voulez. Sachez juste que moi, je prononce ça gecko. D'essayer de prendre le coffre timide par devant. Il faut jamais le prendre par devant, toujours par... Oh! Toujours par derrière, hein, bien sûr. Oh, oui, il y en a un autre là, mais quelle beauté. Oh, il y en a un autre là. Oh là là, mais il y en a partout. Oh là là, mais bref. Oh, le stonk. Oh, il y a personne qui a pris cette photo pour le date. Quelle tristesse. Les petits scarabs brutaux. Mais il y en a tellement plein. Oh là 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 là, personne. Oh putain, mais Bresga, littéralement. Le croissant, on est où là? Mais le croissant de la veine, Bresga, putain. Oh là 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 là, mais quelle dinguerie. Cet homme. Mais cet homme, donnez-lui une... Je sais pas, qu'est-ce que tu veux, Bresga? Une sucette? Un carambar? Un cookie? Bresga, veux-tu un quoque? Tu as un quoque? La pâtie à quoque. Là. Oui, messire. Bien. Très bien. Encore du travail. Il essaye de faire de l'humour. Regardez ça. C'est pathétique.
Écoute-moi, Cocomouette, crois-moi, tu peux le faire, je te promets. Cocomouette, tu peux le faire. Sangonomia Cocomouette. Oui, monseigneur. Oui, messire. Que dois-je faire? Travail terminé. Les intonations sont parfaites. Un cookie. Sûr que Soussou était du côté obscur. Attendez, regardez. Je suis tellement du côté obscur que... Attendez, ça demande un peu de préparation. Mais... Je suis tellement du côté obscur que... Même mes cookies sont obscurs. Cookies de la force, mais du côté du mal. Mes cookies ont des sabres laser rouges. C'est le bruit d'un sabre laser, je peux pas faire avec ma bouche. Voilà. Oh, pourquoi Miam, miam. Parfait. Dark Soussou, bien sûr. Ah. Quelqu'un qui a pris tous mes scarabruto et mes perles. Qu'est-ce que je fais maintenant pour mon Ito et mon gourou? Bah pas. Du coup. Du coup, je crois que tu fais pas. Ou tu peux le demander. Demande à ma communauté. Il y a peut-être des gens chez qui il en reste. Je sais pas. Des gens chez qui j'ai pas tout ninja. À moi. À moi. À moi. À moi. Et là. Et. Pas je perds où je suis. Attends deux secondes. Je finis ça et j'arrive. Ah non, mais quoi, c'était pas. Je suis tombée par hasard. Par un hasard de malade sur le dernier coffre, du coup je suis à 100%. Let's go, grand crâne, GG! GG, GG! Salut Kéké, comment tu vas? Il faut des perles pour les nouveaux persos, je crois que c'est pour Gourou, ouais. Encore une fois, if I'm not mistaken. Which I may be. Ah, mais il y en avait là-haut en fait! Putain, mais je suis vraiment trop con. Je suis vraiment la pire des pétasses. Comment je fais pour monter moi par contre là? Grosse power sans vrai hein. J'ai plus la cerise mais j'ai plus Amazon pour me le payer mon sub. Ah merde, t'as plus le Prime? Bah va falloir attendre un sub gift malheureusement. Oh, beauté. Je crois que j'ai tout là. Là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, là il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Parfait. Il est où la douceur et l'onctuosité? Là? J'arrive. J'ai Inazuma Tsurumi aussi et mon stade de dragon aussi à 100%. Let's go. J'ai bugué en voyant le titre. Non mais vous inquiétez pas. Bon... Parfois, il faut que j'extériorise un petit peu mes envies, hein. Parfois, il faut que j'extériorise mes envies. Ça m'arrive. Je sais, c'est mal. Il y a des enfants dans le chat. C'est pas mon problème. C'est gratuit si vous payez. C'est exactement ça. Connaissez-vous Amazon Prime? Si vous payez, vous avez des trucs gratuits. Après avoir payé, du coup. Il est où? Plus en bas? Ah non, il est en haut! Ah! Oh non! J'ai failli! Grimpe! Il est où? Ah mais si, je sais, ils sont au milieu! Je me souviens, ils se font des bisous même! Ouais, je me souviens, ils se font des bisous même! Ils sont où? Là! Je le savais! Nom nom nom! Putain mais Bresgal le carry en fait quoi. Le carillon. Là y'en a un. En face, Haya. Quel broutille. En plus de cadeaux sur certains jeux. Oh oui par contre oui, ça par contre pour le coup oui effectivement ça fait des bons cadeaux sur certains jeux. Mon brave ami, vous avez une page ici. T'as une page ça? Si là t'as une page. Ah c'est peut-être pas un truc qu'il faut récupérer.
Pardon, c'est my bad. J'ai menti. Oh, quoi? Le petit carillon, mais oui! Quelle beauté. Oh. Je fais un bocal en terre, c'est ça? Non, ça, c'est parce que j'arrive pas à taper des bocaux. C'est pour les bocaux, bien sûr. Mm-hmm. Les bocaux. La mouche, tu peux dégager, s'il te plaît? Merci. Bah, du coup, il doit être là aussi. Salut Natsu! Comment tu vas? Comment il s'appelle le... Mais je suis con. J'avais demandé comment il s'appelle le dragon de Natsu. Enfin, le papa dragon de Natsu, mais c'est pas genre... Dragon Hill. C'est pas genre littéralement la deuxième partie de ton pseudo? Je sais plus. Je suis vraiment une merde, hein. Ça fait tellement longtemps que je parle de Fairy Tail. Veuillez excuser ma non-connaissance de cette série. C'est Ygnir. Ah, ok. Ouais, c'est la même. Tranquille, je savais que ça se terminait en Ir. Angélie. C'était où? J'ai peut-être un peu oublié où c'était. Close. Close enough. Oh, c'est là, putain, j'ai vraiment trop fort. Sous l'exploratrice. Ah, miam, miam. Ah, miam, miam. Comment vous allez, mes beautés, là? Dites-moi juste oui ou non dans le chat. Qui poule Ito? Oui pour oui, non pour non. Commencez pas, hein. Commencez pas, hein. C'est bon? C'est bon. Et c'est où le spot? C'était là. Là. Non, 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 Goro perso, non, oui, 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 non. PTDR, c'est pas un non ou un oui, non, oui. Il y a tellement de non. Non, 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 oui. Là, on a que... Il y a si peu de oui. Oui, non, oui, non, oui, oui. PTDR, où on? Ok. Nous, oui, ok. Vous avez 2 ans d'âge mental et j'aime bien, en vrai, ça me correspond parfaitement. Ah. Non mais oui. Je pensais Fairy Tail il y a une semaine, je suis déjà à l'épisode 100. Oh, j'ai tout binge-watché aussi, hein. Enfin, beaucoup. Couille. Ah bah super. T'as vu, mon chat, c'est vachement mature quand même, hein. Il y a eu un couille qui a été lâché dans le chat, hein. Waouh. Là. Oui, mon Dragano, quoi qu'il y a bien. Comment que ça va booter? Ok. Prochaine idée, mes boys. Stinky Glitch, bien sûr. Les modes préférés de War Caribou. Parce qu'elle est aussi cringe que lui. Je vais bien, mon Dragano. Je vais bien, et toi? Le stinky glitch. Oh, Henri de Rose. You're gonna make me blush. Mon viewer préféré me fait une surprise. Quoi? Non, c'est pas... J'ai pas dit que c'était mon... Non. J'ai pas annoncé officiellement que c'était mon viewer préféré. Non, c'est pas moi. J'avais un alibi, j'étais au cinéma. Non. Tu m'as une chat. Ok. Ok. Ok, je ne sais plus de follow. Non mais t'inquiète, j'ai dit mon viewer, pas mon modérateur, tranquille. Bah oui, Dracra, je pense que t'as juste à demander d'être dans les gens du chat et puis ça vient. Hein. Pampo, toi t'es ma modératrice préférée. Ah. Mmh. Mmh, mmh.
Je suis le VIP Fury préféré de Soussou. Ouais, peut-être. Je suis jamais vraiment trop posé la question. Non, mais il n'y a pas de classement, en vrai. Je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Il y a des Excarabruto dedans. Dit oui, moi c'est la moindre des choses. Après tout, c'est quand même mon viewer préféré. Hein. Alors, regardez ça là, comme il m'utilise. Tu veux ma chance, c'est ça? On avait tous après ma chance. Ça me dégoûte. Oh les dégâts. Non. Non. Bonjour. Toujours être poli envers ses ennemis. Comme ça, ils se doutent pas du fait que vous allez les marabouter. Marabouter, c'est bien. Bonjour. Passez une agréable nuit, mes bonsaïs. Ça sert à rien de se battre. Son savieur préféré, c'est Opal Ruby. Ah bah clairement, oui. Pour le coup, oui. Parce que t'es trop gentil, faut savoir dire non. Mais c'est Idorose, je peux pas dire... Qui pourrait dire non à cette petite bouille, là? Cette bouille de beauté, là. J'ai tellement pas su dire non que la dernière fois que je suis venue faire des poules chez lui, je lui ai payé un pack. Terrible. Il m'a rien demandé, c'est moi-même qui ai payé un pack. C'est grave, hein. C'est même pas qu'il me marche dessus, c'est que je me... Je me mets sous ses pieds, volontairement. Idoros, marche-moi dessus, en fait. S'il te plaît. Fais-moi cet honneur. Terrible. La quintessence du cible. Oui, c'est Van. Oui. On t'a réduit l'incube. Idoros, c'est notre Ito. C'est ça. Cet amour, c'est mignon. Oui, c'est parce que je vous aime fort. Et ça me rendait triste de savoir qu'il allait pas avoir Albedo. En vrai, avec la multi offerte et tout, je pense qu'il... Bah du coup, il l'aurait eu, sans mon aide. Mais bon, tranquille. Alors, je crois que j'ai plus de place dans ma liste d'amis. Si je dis pas de bêtises, étant donné qu'on a fait le flex tatayer hier. Mais de toute façon, tu n'as pas besoin d'être dans ma liste d'amis pour qu'on puisse jouer ensemble. Hein. T'as juste à me donner ton idée quand t'auras besoin d'aide pour quoi que ce soit. Et puis, je pourrais venir s'il n'y a pas de... Si tu as besoin d'aide. Enfin, moi ou quelqu'un du chat. Na, 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 na. Je suis mort. Tu es mort? Comment fais-tu pour écrire? Marguerite, tu n'avais pas encore pris le pack à 30 euros et je voulais savoir quand t'allais le faire car Albedo part demain. On tente. Le pack à 30 balles? Si, je l'ai pris le pack à 30 balles. Pense. Ah bah non, le potal. Bah non, alors le potal. Tristesse. Tristesse et shampoing. Je sais pas pourquoi shampoing est venu ce mec là, mais c'est le mot qui m'est venu en tête. Je dis rien. C'est comme ça. Parfois la vie finds a way. J'ai envie de dire. Mon VIP préféré, si jamais une petite faveur, ça se fait pas de mal. En vrai, hey, on va pas se mentir, j'en offre quand même beaucoup des faveurs sur mon stream. Hein. Faites pas genre. Des faveurs de là, il y en a quand même beaucoup qui sont offertes. Hein. Tranquille. Genre là, déjà hier, j'en ai offert 4. Plus le flex d'atelier, ça faisait 5. Tranquille. Tranquille. L'autre fois, Just Wolfie, il a juste eu besoin de me dire c'est mon anniversaire, j'ai vu qu'il gagnait pas le flex tatayer. J'ai fait, bon, tu sais quoi, vas-y, tout le monde en gagne une là. C'est bon, j'ai compris. Salut Char, comment tu vas?
Je suis la plus grosse sub-gifteuse de ma chaîne entière. Hein. Si ça peut vous donner un indice d'à quel point je suis con en termes de finances. Sur mon compte pour le pack à 30 euros. Ah, sur ton compte pour le pack à 30 euros. Bah non, du coup. Ah, je sais plus ce que j'ai fait ou pas sur ce monde. Bah ça, j'avais pas fait, toute évidence. Salut Driver, comment tu vas? Je viens de sortir des cours, comment ça s'est passé, Miratus? Bien. C'est quoi votre matière préférée en cours? J'aime pas les cours, c'est nul. Je m'en fous, je veux votre matière préférée, le truc que vous, qui vous motive, là. Le truc que vous aimez bien. Les maths. Oh, Adriano, t'es un bon, toi. Bon, toi. Histoire. On va passer ta Ningguang. Elle a disparu. Elle est restée dans le donjon. Derrière, elle fait le ménage. C'est son rôle de femme, après tout. Hein. Mon part, c'est informatique. Espagnol, anglais, physique, SVT, juste incroyable. Je vais plus en cours. Français, je suis chelou. J'adorais le français, moi. J'adorais. La sieste. Oh ouais. Vous vous souvenez quand on était bébé là, et qu'on faisait des siestes en cours, là? Oh, comment c'était trop bien. Anglais, meilleure matière au monde. Non, si, en vrai, j'adorais l'anglais. Hein. Pareil. Hein. Mes matières préférées, moi, c'était... Personne ne m'a demandé, mais bon, tranquille. Moi, c'était... anglais, français, SVT... Je crois qu'on a fait le tour. Anglais, français, SVT. Ça fait 7 ans que je bosse, mais les maths sans hésiter. Tu bosses dans quoi, Zof? Cours de sieste. C'est des siestes en cours, même au lycée. Oh, fun fact! Je vous avais dit qu'il y en aurait plein dans le stream. Fun fact, une fois, en fait, quand je taffais, enfin, quand j'étais à la fac de droit, j'avais un travail à côté en 20 heures, ce qui fait que je faisais 38 heures de cours, plus la préparation des TD, etc., plus 20 heures de travail. J'étais crevée tout le temps, en fait. Et une fois, je me suis endormie en amphithéâtre sur les genoux de ma pote. C'est le meilleur moment que mon corps a trouvé pour ronfler. Voilà, j'ai ronflé en amphithéâtre de droit. Ouais. Et puis, apparemment, pas le petit ronflement. Hein. On m'a dit que j'essayais de... Enfin, que mon imitation du brachiosaure était quand même relativement proche de la réalité, quoi. Hein. Je pense que les meilleurs scientifiques et recréateurs de bruits d'animaux auraient pu s'inspirer de mes ronflements pour... Je pense que là, on était sur un T-Rex, hein. ou un gros truc, quoi. Genre, un bon gros brachiosaure, quoi. Peut-être même un stégosaure, là, avec les plaques qui font résonance. Il y a moyen, je pense, de trouver un truc, hein. Ouais. Peut-être même un stégosaure, ouais. Enfin, en tous les cas, j'ai sacrément bien ronflé. Et ma pote a pas eu le courage de me réveiller, donc, bah, en fait, j'ai bien ronflé comme une grosse pendant tout le cours, hein. Je pense que ma prof a vachement apprécié. C'était un cours de... Oh, c'était de la compta, on s'en branle en vrai. En plus, la prof, c'était une conne. Tranquille, tranquille, c'était de la compta. Tranquille. Brachiosaure, une faiblesse de mire, bien sûr. Sous ce ronfle jurassique de retour. Ah, j'ai fait trembler le sol, hein. Il y a les amphithéâtres d'à côté qui sont venus, ils ont cru qu'il y avait un tremblement de terre, hein. Non, non, bien sûr, évidemment. Ah bah oui, bah oui. Ah bah, on fait pas les choses à moitié dans la sous-sous-corp, hein. Oh, la sous-sous-corp, of course. Of corp, bien sûr. On a préféré se taper l'affiche que de te réveiller, best pot. Ah non, mais clairement. Bah, en même temps, j'étais sur ces petites, jambes d'amour là, donc si elle m'avait réveillé et que je l'avais mal pris, il y avait un monde où je me retournais et je lui lâchais un croc dans la cuisse. Hein. Ah, tu me réveilles. Ah, tu me réveilles. Ah, gnoc. C'est comme ça que ça aurait pu se passer. Hein. Moi, j'aurais été elle, j'aurais fait pareil. Hein. J'aurais accepté mon destin. Hein. La prof était une con. Non, mais la prof était pas une con, mais elle était vraiment incompétente à ce fuck. Enfin, elle était nulle. Elle était vraiment nulle. Vous savez, c'est les... Tu sais, c'est les comptables, mais elles sont faites pour être comptables, pas prof de compta, tu vois. Genre, elle avait vraiment le... C'était une bibliothécaire, quoi. Enfin, dans le sens stéréotype de la bibliothécaire, genre chiante. Avec les petites lunettes, qui a une petite voix que personne entend, qui arrive pas à capter ton attention. Chiante à ce fuck. Hein. Non, insupportable cette personne. Adorable, hein, mais... Enfin, je suis sûre que c'était une personne très très bien dans la vie de tous les jours, mais pas en cours de compta, quoi. Enfin, vraiment pas. Pour le coup, pire prof de compta que j'ai jamais eu, et j'en ai eu qu'une seule. Donc c'est vous dire à quel point l'échantillonnage est... Enfin, j'ai un panel de visu, quoi. Voilà.
Bam, ta cuisse, c'est un kebab. Ah, bien sûr. Ah, non, mais bien sûr, j'aurais transformé sa cuisse en kebab en l'espace de 2 secondes et demie. Hein. J'aurais ramené ma petite sauce barbecue, là, de ma poche, là. Hop, là, petite sauce barbecue sur la cuisse, et puis... Non, 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 meilleur croc. Hydoros, t'as un coffre, là. Hydoros. Hydoros. Là. Hydoros, t'as pas suivi mes explorations. Hydoros. Là. Ici, t'as une fée, Hydoros. Là. Hydoros, là. Depuis quand t'as mis Oma sur Jongli? Depuis que je l'ai eu. Et depuis qu'elle est magnifique sur lui. Moi, je mords les gens. C'est une marque d'amour. Let's go, hein. Car me semble que t'as des lunettes. Ouais, j'ai des lunettes, mais... Non, vous me trouvez chiant? Joseline m'a dit que le bidon contate de l'année des catastrophiques. Non, mais je te raconte pas les heures sup que j'ai dû faire, hein. J'ai même raté le brunch organisé par Véro, non mais un enfer quoi. Heureusement que le bureau du patron est confortable quoi, enfin surtout la partie d'en dessous quoi. Moi bien sûr, tout à fait. Hein. Tout à fait. Hein. Mais la petite secrétaire là, va falloir qu'elle fasse mieux son travail. Hein. Les fiches avaient des taches de café dessus, c'était insupportable. Hein. Non, ça peut plus durer. Moi, je pense que la petite jeune, là, la Stéphanie, va falloir la virer. Hein. En plus, de toute façon, le patron, il la regarde, ça me gêne. Hein. Ça me gêne. Hein. Ouais, ouais. Non, c'est pas possible. Non. Il y a des choses comme ça qui se font, il y a des choses comme ça qui se font pas. Non, Stéphanie, cette petite catin, là, avec son petit chemisier, là. Oh non, mon bouton s'est dégrafé. Tu n'auras pas ma place de préférée. Ok, Stéphanie, ok. Hein. Oh, insupportable. Alors, par pitié, arrête cette voix. Ok, pardon, comment sinon quoi? Coucou InnoFly! Prête à me ressembler par Ito? Je passe en coup de vent, je suis dans le train. Oh, t'as mis une émo de ponce. Putain, ça se fait ça? Attendez, non mais parce que, attendez, je savais pas, mais du coup... Il y a vraiment des gens qui interdisent les émotes d'autres streamers sur leur chaîne, Twitch. Mais je savais même pas que ça se faisait. Genre j'étais chez... Bah, je vais pas citer de nom parce que je sais pas si ça se fait ou pas. Mais j'étais chez un streamer. Et bah tranquillement tu vois, comme toute personne normale. Et genre à un moment on parlait de Géo et tout. J'étais en train de me dire, ouais, je vais pouvoir lâcher mes meilleures émotes Géo, mes meilleures émotes Ito, Jongli, Goru, Albedo, tout ça. Et genre 2 secondes avant, il y a quelqu'un, genre la modératrice a fait « Excuse-moi, mais les émotes des autres streamers sont interdits sur ces chaînes », j'étais genre « Ah bah pardon, putain. Oh pardon, excusez-moi. » Alors chacun fait comme il veut, mais je ne savais même pas que ça existait, ce genre de stream. Enfin, de demande, quoi. Parce qu'il n'y a même pas de fonctionnalité sur Twitch pour enlever les émotes des autres gens. Mais genre moi, enfin genre là, InnoFly, tu vois, qui arrive et qui met les petites pompons fleurs, là. Oh, les pompons fleurs. Mais je savais pas que ça se faisait des streamers qui refusent les émotes des autres streamers. C'est pour la concurrence vu que t'as la meilleure émote. Mais en vrai, je sais pas pourquoi. Sans déconner, je sais. Enfin, du coup, y a aucun intérêt à sub sur des chaînes, quoi. Enfin, si c'est juste pour spammer les émotes d'un streamer sur la chaîne du streamer. Oh, les pompons fleurs. Oh, les pompons de Noël. Oh. Quelle beauté. J'ai mis les géos sont suprématie. Oui. Oui, bah il y avait des viewers à moi sur le stream et ça m'a choqué en vrai. Je savais même pas que... Je savais pas qu'il y avait des gens qui en... Après, bon, je vais pas juger, pourquoi pas. Hein. Mais déjà, les modos, ça doit être la merde pour gérer. Parce qu'on va pas se mentir, quand vous arrivez sur un stream et que vous avez les conditions d'utilisation du chat, là, personne les lit, on est d'accord. Genre, mais moi, je les ai pas lus quand je suis arrivé chez le mec. Hein. Mais genre, t'imagines les modérateurs qui doivent reprendre toutes les personnes qui mettent des émotes d'autres chaînes. La dingue. La dinguerie. Mais qu'on dit quoi? Salut Spalt, comment tu vas? Mets tes émotes et tout sur tous les streams pour voir. Bah ouais, de fou, hein. C'est pour éviter la pub gratuite intempestive pour les insécures. Ouais, mais enfin là, enfin après, bon, encore une fois, je juge pas. Chacun sa façon de faire Twitch, en toute façon, c'est tellement libre que bah, tout le monde fait comme il veut. Mais là, le problème, je me dis, c'est pour ces modérateurs, quoi.
Genre les pauvres modérateurs, faut qu'ils, en plus de surveiller tous les messages et tout, faut qu'ils surveillent qu'il n'y ait pas des émotes des gens, faut qu'ils reprennent les gens qui mettent des émotes d'autres chaînes et tout. Enfin je veux dire là ça va, c'est il avait pas beaucoup de vues. T'as un coffre là. Il avait pas beaucoup de viewers et tout, mais imagine genre s'il a 100 viewers genre comme là là mes modérateurs, vous vous sentiriez vous là là dire à toutes les personnes qui utilisent des émotes qui sont pas de ma chaîne pardon contre excuse-moi mais les émotes sont interdits quand c'est pas les émotes de Joujou quoi. L'horreur pour les modérateurs, quoi. Aucun rapport, mais faut que tu viennes à Toulouse pour voir le marché de Noël, il est incroyable. Bah, j'aurais bien aimé aller à Toulouse, mais en fait, je voulais y aller pour faire l'anniversaire de mon neveu, pour lui offrir un cadeau et tout. Sauf que ben j'ai demandé à mon frangin, du coup, quand est-ce qu'il voulait que je passe. Et il m'a répondu par, bah, quand est-ce que tu veux passer. Et j'ai dit, bah... Moi je m'en fous, je peux passer quand tu veux, donc c'est à toi de me dire. Parce que toi tu travailles, et moi techniquement je travaille... Enfin je peux faire mes horaires quoi. Et ben il m'a jamais répondu. Donc voilà. Donc ben, je vais envoyer un cadeau par la poste quoi. Tes modos font peur, ils feront ça au calme. Oui, c'est vrai qu'ils font peur, mais en même temps faut pas aller sur le... Faut pas aller sur le trombinoscope, hein. Regardez pas la tête de mes modérateurs. Hein. C'est pour ça que vous avez peur aussi. Hein. Vous vous infligez ça à vous-même. Toi, tu juges pas, mais moi, je vais pas me gêner. C'est complètement con de faire ça. Bah, en vrai, c'est que je comprends pas l'intérêt, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, c'est super cool quand même d'avoir des émotes, je trouve. D'avoir plein d'émotes et tout, d'être sub partout. Genre, moi, c'est. J'adore spammer les émotes de pompons quand je suis sur d'autres streams, quoi. Parce que j'adore pompons et parce que j'aime bien montrer que. Voilà, je suis une petite fleur de l'ombre, etc., etc. Même, tu vois, quand tu te fais sub-gift chez quelqu'un, le seul intérêt de se faire sub-gift chez quelqu'un, c'est que du coup, t'as accès à ses émotes. Mais si tu peux pas spammer les émotes, à quoi ça sert? Je sais pas. Je ne sais point. Après, encore une fois, Twitch est une grande famille, chacun fait comme il veut, chacun boit midi à sa porte. Personnellement, ma porte est ouverte à tous! Sauf les gros connards et les... c'est tout en fait, juste les gros connards. Les gros connards, ça dégage. Mais le reste, en vrai, ça va, vous aime bien. Si jamais tu viens à Toulouse, tu me préviens, je te ferai une pizza avec plaisir. Oui, je t'achète. Oh. Bah, c'est décidé, je viens à Toulouse demain. Non, mais en plus, bah là, le problème, c'est que maintenant, il est trop tard, quoi. Tous les billets de train vont être pris pour Toulouse, pour machin, enfin tous les billets de train vers Noël vont être pris, donc là je peux même plus prendre un billet de train pour aller et en plus de ça il aurait fallu que je fasse un test PCR, donc ça aurait coûté déjà 50 balles de test PCR, plus 50 balles pour le retour si jamais j'y reste plusieurs jours. Ouais, compliqué quoi, compliqué. J'ai récupéré tes coquilles ou pas, tes coquillages ou pas, enfin tes perles. Oh oui, tes grosses coquilles. Il avait un pseudo un peu ressemblant au tien un peu. De quoi? Salut Chocolabo, comment tu vas? Coucou 2.0. Comment ça va mes BG? Attendez, j'en suis à combien là? Là. 145 et des Scarabrutos. J'en ai combien? Ah non, c'est pas ça, ça c'est les perles de loche. Mais c'est pas là. Si, c'est ça. 132. Et des scarabées, j'en ai 134. Tu me conseilles de poule pour Ito ou Xiao? Bon, je sais pas. Après, Xiao, on sait pas quand est-ce qu'il revient. Donc, t'auras peut-être le temps de rééconomiser. Les deux ont le même rôle. Les deux, c'est des main DPS. Après, si tu poules sur Ito, tu pourras avoir des Goru. Si Goru t'intéresse aussi, ça peut être un truc à prendre en compte. Là où Xiao, s'il y a un rerun, on ne sait pas s'il y aura un 4 stars sur sa nouvelle bannière. Là, ça te permet d'avoir deux nouveaux personnages sur une seule bannière. Surtout que les deux vont extrêmement bien ensemble. Mais après, c'est à toi de voir. Hein. Après, c'est complètement à toi de voir. Hein. C'est en fonction de si t'aimes bien le gameplay. De toute façon, ce que je te conseille de faire, c'est d'attendre de pouvoir l'essayer. Quand tu auras essayé, c'est adopté. Tu essaieras le gameplay de Ito. S'il te convient, fonce. S'il te convient pas, bah, t'auras ta réponse tout de suite. Je pourrais retirer la récompense sur Extate hier, ça me stresse. Ah oui, bien sûr, je peux. Enfin, il faut que je le fasse, oui, c'est vrai. Pardon, my bad. Je m'en occupe dès que j'aurai pas la flemme. Let's go. Soussou et l'honnêteté. Dès que j'aurai autre chose à branler. Alors.
Merci beaucoup pour tous tes trucs. Hop là. Xiao, l'un des rares 5 stars que tu poules uniquement pour son être et non sa puissance. Clairement, en vrai, les gens qui sont fans de Xiao, je vois pas comment ils peuvent juste être fans de ses compétences, quoi. Poule pour Daddy Jongli. Stonk, 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 stonk. Nanana. Na 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 na. Tu es où, Minargo? Minargo? Minargo, il est plus là. Minargo? Minargo, il est plus là. Trop Dark Sasuke, c'est pour ça. Mm-hmm. Eh ben, qui m'a pas dit bonjour. Mais je t'ai vu, mon Poki d'amour. Bonjour, ma douceur et mon onctuosité. Poki, il faut que je te parle. À chaque fois qu'on a un vocal ensemble, il y a mon bégaiement qui ressort. J'ai toujours trop peur de rechoper mon bégaiement. Je te jure. Tu me fais... Poki, tu me fais bégayer. Poki, tu me fais bégayer. Je te jure, à chaque fois qu'on parle, j'ai peur de rechoper mon bégaiement. C'est terrible. Te plains pas, elle m'a jamais dit bonjour à moi. T'es qui, Pampan? PTDR, t'es qui, en fait? Comment ça va, ma Pampan d'amour? Ma beauté? Comment elle ment? Ah! Ah! Mais non, mais c'est pas... Non, mais parce que je t'aime. Comment ça va, mon Pampan? Tu vas bien? Bonjour, Pampan. Est-ce que tout le chat peut dire bonjour à Pampan? Bonjour, Pampan. Est-ce qu'on fait un décompte pour que tout le monde te dise bonjour, Pampan? Est-ce qu'on ferait pas un un, dos, tres, cuatro, attention, la Pantera? On pourrait faire ça, hein, si tu veux. Hein. Non, ça te dit pas? Ah, d'accord. Ta-da-da-ta. Je quitte ce stream. Pan, pan. Quelle femme douce. Vous savez le... Est-ce que vous vous rendez compte un peu du taf qu'ils font mes modérateurs ou pas? Oh, c'est quoi ça? Oh, le Scarabruto. Hello. Et moi? You're mine. Comme tout papa. Pampinois. Oh oui, bonjour Sarah, comment vas-tu? Coucou Isaac, comment ça va? Toute ma famille te connaît. Sérieux, Harlem? Let's go. Bah bonjour papa Harlem, bonjour maman Harlem, bonjour petite sœur Harlem, bonjour grande sœur Harlem aussi. J'ai oublié quelqu'un. Ah bonjour le chien aussi, comment il va Nestor? J'ai sorti un maximum d'informations de mon fiac là. Let's go, j'ai plus rien. Nestor, quoi? Te moque pas du nom du chien, voyons. Chacun nomme son animal de compagnie comme il veut, et Harlem a donné son chien à Nestor, ben... Harlem a nommé son chien Nestor, ben, j'ai envie de dire, on va pas juger. Je regarde sur Twitch. Ouais, sur Switch. Ça existe, ça, sur Switch? Y'a Twitch sur Twitch? J'arrive pas à lire. Y'a Twitch sur Switch? Nestor Pierre Blaze. Eh, c'est pas gentil pour les gens qui s'appellent Nestor. C'est pas gentil pour les gens qui s'appellent même pas Nestor. Et ça, c'est pas gentil. Il fait quoi le E de Xiao? Je vais le poule, mais je sais même pas il fait quoi. Ça fait un dash en avant. Il fait un dash en avant. Un peu comme une attaque chargée, en fait. Ça fait un truc comme ça, là. Donc, quasiment. Et tout ce qu'il traverse, bah, subit des dégâts anémaux. Et... ouais. Globalement, c'est ça. Et avec la constellation 1, tu en as deux. Des dashs. Du dash. Du dash, dash, du dash, dash. Oh! Le Scarabruto, le Scarabruto. Sur un eau. À la volette, sur un eau. À la volette, sur un orangé. Oh, vous avez entendu ce vibrato là? Oh! Depuis novembre, il me semble. Nice! À force de parler de toi et tout, et mon père s'appelle aussi Harlem. Let's go, putain. Attends, est-ce que ton papa s'appelle aussi Harlem parce que tu t'appelles Harlem, ou est-ce que ton papa s'appelle aussi Harlem comme son pseudo, et du coup ton pseudo est en fonction du prénom de ton père? Dans tous les cas, c'est trop cute. Salut Jeanne, comment tu vas voter? Je me suis pas prise un vent, mais un ouragan de la part de Soussou. Pourquoi Art Sakura? Qu'est-ce que tu t'as dit? Excuse-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Attendez, nous mettons tout en pause. Qu'as-tu dit, Art Sakura?
Bonjour Pampan, question sérieuse, c'est quoi le travail exact d'un modérateur modéré? Modéré. Il regarde le chat et puis il modère entre ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable. Ils font en gros le travail de modérer quoi. Il c'est un peu la police, c'est un peu la police du chat. Ils surveillent ce qui se passe dans le chat et en fonction de est-ce que c'est acceptable ou pas, ils suppriment, ou ils laissent ou alors ils encouragent ou etc, etc. Et après c'est pareil, ils peuvent faire les... Vous appelez tous les deux Harlem, c'est trop cute. Et puis après ils peuvent aussi organiser donc les sondages, les récompenses en points de chaîne, ils peuvent organiser les bets du coup. Ils peuvent faire plein de choses, ils peuvent passer le stream en emote-only, ils peuvent faire... Bon voilà, plein de choses. C'est eux qui gèrent un petit peu tout le... qui chapotent un peu tout le truc. C'est mignon, mais dites pas, oh je me suis pris un vent, etc, reposté. Oui. Mais vous êtes cute as fuck par contre. T'as un électroculus sous le... là où je suis. Juste là où je suis. Sous le truc de la signora. Ils peuvent nous insulter gratuitement. Ah non, c'est que moi ça. Oui. Il faut un crowd control. Exactement. Effectivement, c'est ce qu'il se passe. On peut pas faire de live. Comme ça, vous pouvez pas faire de live. Il ban si vous êtes méchant. Oui. Du coup, Mira est un policier Chip and Dale. Peut-être. Je juge pas. Il fait ce qu'il veut. Moi, la seule chose que, dont je suis sûre au sujet de Mirai, c'est qu'il est extrêmement beau. Après, s'il veut être go-go dancer, s'il veut être ingénieur en informatique, s'il veut être ORSA, SDF, s'il veut être mon bureau, ma secrète... Écoutez, il fait bien ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Ah mais... Non. Ah mais non. Pardon. Ah mais c'est qu'on est électrocuté ici en fait, dites donc. On va se casser du coup. Est-ce que j'ai fait les coquilles de type palourde, de type perle? Perle. Soutane, bonjour. Comment vas-tu mon Léon? Oh l'anaconda. Oh il est magnifique. Oh le Mirai. C'était pas fait. L'explore en option. Oui. En vrai, pour aujourd'hui, je pense qu'on va enlever les conseils et tout, parce que là, vu qu'on fait plein de trucs à côté, en mode juste je me promène, quoi. Hein, on est un peu sur de... Non, je vais pas la mabois. On est un peu sur de l'exploration nulle, mais... Du coup, on va peut-être enlever les conseils et les flex pour aujourd'hui, parce que là, on va genre... Petit stream poussé, en fait, complètement, ouais. Complètement, bien sûr. Et toi, il arrive quand? Demain à 18h. Y'a un coffre là. Demain à 18h, le très cher Ito arrivera dans vos box. Oui. Je voulais que tu review ma Noël main DPS. Ben ce sera demain, Sévan, du coup. Après, demain, je vous avoue que de toute façon, vu qu'on fait un 24h, il y aura large le temps de faire vos reviews. Large le temps. Il arrive en balle. Ah, il arrive fort. Il arrive fort. Hein. Fort. En plus de 24h avant que ce se fasse soulever. Bah après en vrai, pas sûr parce que qui dit 24h avec une multi toutes les demi-heures dit, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver hein. Si ça se trouve il arrivera qu'au bout de 3-4 heures de stream hein. Review moi le fiac. Oh oui. Je vais très bien et toi, beauté, hâte de te voir Poule Ito. Ah, vous allez pouvoir me voir Poule Ito pendant 24 heures. J'espère vraiment qu'on va en avoir 7 en une seule multi. En vrai, franchement, je trouve que je demande pas grand-chose. Hein. Salut Tenchi, comment tu vas? Genre, je laisse 3 places pour 3 Goru, en vrai, ça va. Je suis gentil, hein. Wouhou! Le Poule Ito, bien sûr. En vrai, par contre, si on n'a pas Goru C6, je pète un câble. Je tue quelqu'un. Je lâche mon meilleur croc dans la jambe de tous les employés de MiYoYo. Ah, rien à... Alors là, qui se travaille sur Genshin Impact ou sur Honkai Impact ou le nouveau... Bah les couilles. Meilleur croc dans la meilleure cuisse. Hein. Ah, puis petite sauce barbecue là.
Oh! Le barbecue! Le barbecue! Alors, elles sont où mes perles? C'était là, hein. C'est ça. 150, il m'en faut combien? Lâche un croc sur Mirai. Non, faut pas mettre les dents. Il m'en faut combien? 156, 158? Je crois que c'est bon, j'ai fini. 168! Putain, mais ça monte tout le temps, wesh! Beaucoup d'impact, c'est mieux quand même. Oui. Parce que c'est une société qui a de l'impact. Tu t'en dis, toi, c'est 6? Ah bah oui! Ah bah les 480 vœux, ils sont pas là pour faire joli! 168! Bon, qui sera l'élu de la dernière truc de... Donnez-moi vos idées. Oh, 169 pour Mirai. On vit vraiment dans une société. Ah, we live in a society, bien sûr. Mais viens chez moi, Soussou. Ben, je sais pas, moi, je sais pas. Chez Blune? Allons chez Blune. Blune. Ah bah, Lune. Ah bah, d'accord. Ah bah, super. Parce que sur Multiverse, je peux pas rejoindre directement. Come in. Ouh, bien sûr, on va attendre les 169 chez Mirai. Oh, oh, oh. Of course. J'ai trop peur d'avoir Jinchichi, etc. Je veux trop Ito. Bah moi, je sais que je vais en avoir, de toute façon. Moi, j'aimerais bien avoir le Jin, vu que je l'ai pas. Mais je sais que je vais avoir un Diluc ou une connerie comme ça. Hein. C'est obligatoire, hein. Malheureusement. 100 euros pour Ito, let's go. Let's go, ouais, c'est bon. Ito, tu le veux C2? Ah non, je le veux C6. Je pense pas que je l'aurai, mais je le veux C6. Hein. Pourquoi on s'arrêterait à la C2 quand il y en a tellement d'autres à avoir derrière? Ce serait dommage. Et dommageable. Et sad. Un peu sad. Je cherche quoi? Oui, des perles. Oui. Oui. Comme dirait Poki, oui. C'est 40, vas-y, let's go. Albero, donc. Albero. Albero, mon héros. Ah! Tout va bien. Oui. Et Chichi, c'est 6, tu la veux pas? Bah, en vrai, les constellations servent pas trop pour que Chichi mette une DPS, hein. Albero, oh, super, super, j'aime bien. Salut la Temfolia, merci beaucoup pour ton follow, bienvenue parmi nous. J'espère que tu vas bien et que tu as passé un bon week-end et que tu vas passer une bonne semaine et que ton lundi s'est bien déroulé. J'espère que tes cours étaient cool ou peut-être ton travail. En tout cas, j'espère que ça va bien. Moi, j'ai 40 vœux, je suis petit 60. Et t'es en 100% ou 50%? J'ai eu Catching, elle est bien ou pas? Elle est très très bien, c'est un très bon main DPS électro ou physique. Tu peux la jouer en physique, bien sûr, il n'y a... j'ai combien de trucs? Parce qu'il faut pas qu'on aille trop loin, parce que si on va trop loin... Oh! Très bien. Je ne prends pas les autres. Et les brutaux! Là. Tu feras quand le tirage de Ito? Tu le feras en live? Alors, je fais un 24h. Donc, dès demain, 16h, on commence un 24h. Pour ce 24h, qu'est-ce qui va se passer? À chaque demi-heure, on va faire une multi. Ça implique donc qu'il y aura 24 x 2, donc 48 multi, donc 480 vœux, qui seront faits au cours de cette, ce marathon. Donc 480 vœux, on va espérer l'avoir C6, je pense que ce sera pas fait, mais bon, on espérera l'avoir C6. Si jamais il y a des dons qui sont faits pendant ce stream, tout don fait pendant ce stream servira à pool Ito. Vous pouvez faire des dons de 2000 balles, ce sera tout mis sur la bannière de Ito ou son arbre. Si quelqu'un décide de passer et de faire un don de 2000 balles, ce sera pour Ito. Qui... Pas de... Hein? Bon, il m'en faut 8 encore. Voilà. Voilà. Perso, ça me dérange pas de rater mon 50-50 si je tombe sur Dilu. Comme ça, je pourrais soudoyer Mirai. Oh oui. Ça fait beaucoup là, non? Oui. Je finis par mieux après avoir braqué Yula et son arme. First, ils ne veulent pas me donner de constel de Noël avec à peu près 150 vœux ni même d'Albedo. Ouf la vache. Après, du coup, ça fait deux soft pity. Du coup, je pense que tu dois bientôt l'avoir. Faire une vidéo YouTube avec tous les vœux. En vrai, on pourra peut-être. En vrai, peut-être que pour le coup, je me ferai une vidéo YouTube avec un condensé juste des tirages. Ou genre, je cropperai que les poules. Il y a moyen qu'on fasse ça, ouais. Dilemme s'impose. 1. Je poule Ito, puis Echo pour Shenhe. 2. Je tente un Goru, mais je poule pas vraiment pour être en 100% pour Shenhe. Aidez-moi. Moi, je te dirais, tu poules.
jusqu'à ce que t'aies un gourou. Si jamais t'as chopé un Ito entre-temps, t'as pas l'air de détester le perso, donc de toute façon, ça passe. Et si jamais tu le poules pas, bah tu gardes pour Shen He, ce sera le destin. En vrai, moi, je pense, laisse le destin faire. Hein. Si jamais t'as un gourou dès tes deux premiers vœux et que t'as pas de, de Ito, fonce sur Shen He. Et si jamais tu chopes un Ito avant, avant gourou, bah écoute, t'auras un gourou avant Ito. Et puis voilà, c'est tout, quoi. Hein. Moi, je pense que c'est le mieux. Dis-lui qu'il est mieux en dégâts pyro ou physique. Ah, pyro. En général, les personnages physiques, bon, à part Zinyan qui pue le cul, mais en général, les personnages physiques sont soit électro, soit cryo. Pourquoi? Parce que ça permet de plus facilement faire de la supraconduction, qui est donc électro et cryo mélangés, qui réduit la résistance physique de l'ennemi. C'est pour ça que Catching physique fonctionne, puisqu'elle est électro et que du coup, elle peut faire de la supraconduction extrêmement facilement. Et du coup, bah, cryo, pareil. Hein. C'est pour ça que Rosalia en cryo, ça fonctionne très bien. Yula en cryo, c'est parfait, mais en physique, c'est incroyable, etc. etc. Salut Colivinted, comment tu vas? 166, il m'en manque plus que 3. Au pire, prends la thune de Mirai pour le Ito C69. Bah, j'aimerais bien, mais Mirai n'a pas de thune. Et puis de toute façon, non, je prendrai pas la thune de mes modérateurs. C'est à moi de leur donner de la thune, en vrai. C'est à moi de leur donner de la thune, hein. À mes bébés, là, d'amour, là. Mes beautés. Hop là. 1, 2... 3. Il manque combien? 3 encore? Oh! Oh, le 169, Mirai! Jean-Louis, il a fait une galipette. Oui. S'il te plaît, tu peux faire une vidéo YouTube de tes poules parce que je ne pourrai pas être là sur ton 24 heures. On pourra faire ça en vrai. Ou alors, je vous fais comme d'habitude, je vous ferai juste la rediffusion avec juste les timestamps des invocations. On peut faire ça aussi. Je viens de lâcher mon prime. Sérieux? Actualise pour que je puisse avoir la notification BG. Merci beaucoup pour ton prime. T'en es où au fait de la récupération de ton compte? Ça fonctionne toujours pas. Salut quoi? Comment tu vas? Sinon, j'ai commencé Genshin le 23 octobre et je suis R46. J'avoue, je fais ça... J'avoue que ça, j'ai un peu honte. Comment ça? T'as commencé en octobre et t'es R46? Bah en vrai ça va, t'as pas non plus trop tryhard le jeu, hein. T'as pas non plus trop tryhard, hein. Salut Megumi, comment tu vas? Comment tu vas bien? Et bah du coup on peut quitter le monde de Mirai après avoir obtenu 2,69 parfait. De type parfait. Il faut que j'enlève la récompense Flexstat hier, effectivement, vous m'avez dit. Oh, il y a Caribou! Mirai, il est payé en nature, du coup, je suis payé en sexe pour me prostituer, c'est sympa, mais c'est un peu con. La gigaforme, Megumi. Pas de réponse? Nice, on adore ce genre de comportement. Relance-les, hein. Relance-les. Récompense de spectateur, point de chaîne, gérer de récompense et les défis, Flexstat. C'était hier qui est désactivé. Et du coup, je vais enlever le conseil pour celui-là. Enfin, pour ce stream. Et je vais enlever le flex ton artefact. On va enlever le flex ton perso et le flex ton géo. Oui, je désactive, je m'en fous. Parfait. Il faut quel artefact pour catching? Deux glades, deux électros. Ou alors full électro, ou alors si tu veux la jouer en physique, ça va être deux flammes blêmes de chevalerie ensanglante. Flex ta photo dans le Trombisoun. Oui. Paiement. Bonjour. Annonce. Bonjour. Oh, quelle beauté. Ah putain, c'est vrai qu'on n'avait pas fait le truc. Faut faire ça. 11 ans. Comment ça va, mon Sinover? Ma beauté, quelle est votre date de naissance? Ouf. Ouf, Soussou la vieille. Oh, Soussou est une vieille femme. Quelle est votre occupation? Streameuse. Ça fonctionne? Élève à l'école primaire, au collège, au lycée, étudiant, salarié d'une entreprise, salarié d'une institution publique, auto-entrepreneur, créateur d'entreprise, travailleur indépendant. Streameuse. Vieille. Ah oh bah super. Ça va, 6h, tu t'es levé à quelle heure? Mmh.
Électro, c'est truc du tonnerre. Oui, colère de tonnerre. 8h. Tu t'es levé à 8h. Ah oui, t'as pas beaucoup dormi, hein. Connaissez-vous la culture relative aux ACG, animés, BD et jeux vidéo? Oui. J'ai un grand intérêt pour ce genre de contenu. En dehors de Genshin Impact, à quel type de jeu avez-vous le plus joué dans ces derniers mois? MOBA. Roguelike. Jeu à destination du public féminin. J'ai l'impression d'être une connasse de féministe quand je vois ça, mais ça me trigger, y'a que moi que ça trigger ou pas? Je suis désolée, mais ce genre de question, y'a que moi que ça trigger ou pas? Genre, on est en 2021 et... Genre, pourquoi y'a pas... Pourquoi y'a pas dans le truc, du coup, un jeu à destination du public masculin? S'il y a une catégorie jeu à destination du public féminin, pourquoi est-ce qu'il y aurait pas un truc jeu à destination du public masculin? Bon, c'est tellement un charmeur. Je sais pas, c'est Coty, il attend Soussou pour faire les quêtes de Soussou. Mais non, quelle beauté. C'est de la merde ces jeux en plus. Je comprends pas la question, du moins l'orientation de la question. Parce que nous on partage. Ah super. Jeu masculin, Call of Duty. Les hommes ils jouent à Call of Duty, c'est la bagarre, ouais. Ah, c'est la bagarre, c'est la guerre. La guerre, j'aime pas la guerre. J'aime pas la guerre, moi. Jeu de stratégie, Clash of Kings, Clash of Clans. Jeu de stratégie. Merci d'avoir mis Civilization, parce que putain, Clash of Clans, quoi. Jeu de femme égale jeu tuto beauté et cooking mama. En vrai de vrai, je pense qu'on va le mettre dans les... Je pense qu'on va le mettre dans les recommandations à la fin quand même. Genre, éviter le genre de phrase de type jeu à destination du public féminin. Taille of food public féminin. Ils viennent de lâcher une cuisine sans pression. Ah ouais, mais là, clairement, hein. En vrai, je joue... Roguelike, j'en ai fait beaucoup réflexion. Ouais, bon bah ça... Ouais, mais c'est autre jeu. En vrai, je joue pas à d'autres jeux type... Je joue aussi à des jeux de civilisation. Je joue à des jeux en monde ouvert, des jeux de stratégie. Je joue à plein de trucs. Tale of Food, public féminin. Le chien Queen, sans pression. Je connais même pas ces jeux, quoi. Mais de Tale of Food, quoi. C'est genre Cooking Mama. Ah non, ils peuvent pas mettre Cooking Mama parce qu'il y a quand même un minimum de skill qui est requis. Clash of Clans en soi est un jeu de stratégie. Tu as organisé ton village, préparé tes différentes troupes et attaqué un autre village. Ouais. Tu joues à Nier juste pour le boule de ton perso. Arrête de mentir. Moi, j'ai jamais joué à Nier Automata. Jamais, jamais. Techniquement, j'aurais dû répondre ça. Techniquement, j'aurais dû répondre ça, mais bon. Roguelike, jeu de réflexion. Ouais, mais par contre, jeu de réflexion, c'est casual. Genre, moi, le jeu de réflexion, c'était genre... genre des escape games et des trucs comme ça, pas des... pas Candy Crush, quoi. Bon, je sais pas. Les femmes ont aucun skill en jeu vidéo, Cooking Mama, c'est trop technique. Ah bah oui, clairement. Hein. Je suis la seule à jouer aux Sims. Non, j'y joue pendant très longtemps. Je vais me faire cade au calme. Comment ça? Laissez 2B tranquille, rien faire. Alors, lorsque vous jouez à d'autres jeux, quel est le niveau d'attention que vous y portez? Concentration sur un seul jeu à la fois sans faire autre chose ou jouer à d'autres jeux en même temps, une seule réponse possible? Je me concentre sur certains jeux, d'autres non. Sur plusieurs jeux, je me concentre sur peu de jeux. Je me concentre? Je sais pas compris la question. Appréciez-vous les jeux qui demandent du temps et une concentration élevée? Oui. Avez-vous déjà joué au jeu suivant? Azure Line Fate. Non, 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 non. Girls Frontline. Non, 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 non. Aucun de ces jeux.
Non, 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 j'aurais aimé, mais non, 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 oui. Non, 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 oui. Non, oui. Auquel déjà vous jouez plus de 30 heures. En gros, je vais pas faire alt-tab, ça c'est sûr plus de 30 heures. Ça, j'ai fait 24 heures dessus, donc c'est sûr plus de 30 heures. Ça, non. Déjà, au jeu suivant, Dead Cells. Oui, j'en ai fait un petit peu. Frostpunk, j'ai joué. Slay the Spire, j'en ai beaucoup joué. Si j'en ai décliné, oui. Minecraft, oui. Jeu de la série Hearthstone. Oui. Jeu de la série Atelier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je connais pas. Joue à Zelda maintenant, Soussou. Mais j'ai pas la Switch. Je peux pas. J'aurais adoré tester Hades d'ailleurs. Quel jeu est plus... Alors, ça c'est sûr. Hearthstone, je pense, mais j'ai pas les stats. Mais c'est normalement, oui. Dead Cells, non. Parce que j'avais joué sur le PC d'un pote, parce que j'avais pas le jeu. Minecraft, c'est obligatoire que oui. Frostpunk, pareil. Laquelle des informations suivantes correspond le mieux à votre situation ? Je ne connaissais pas MiYoYo jusqu'à maintenant. Je ne connaissais pas MiYoYo jusqu'à ce que je découvre Genshin Impact. Oui ! Laquelle de ces informations décrit le mieux votre intérêt pour les jeux développés par MiYoYo ? Le développeur n'est pas déterminant dans mes choix de jeux. Je m'intéresse à d'autres aspects. Alors oui. Une seule réponse possible. Ok, d'accord. Je m'intéresse aux développeurs de jeux vidéo, mais je ne suis pas particulièrement intéressé par les jeux développés par... Et je suis plutôt intéressé par... Je suis très intéressé par les jeux développés. Bon, en vrai, je suis, en vrai. Hein. Donc, ouais. Au lieu de nous payer des faveurs, on va te payer une Switch. Ouais, mais le problème, c'est que si je m'achète une Switch, il me faut une télé, il me faut un canapé, une autre cam pour pouvoir streamer, et une carte d'acquisition, ça fait très cher. J'ai pas les thunes. C'est pas vos faveurs de l'As qui vont... Bah, ça repousse l'achat de ça, mais... C'est pas avec 5 faveurs de l'As que je vais pouvoir m'acheter tout ça, donc tranquille. Oh, James, comment tu vas ? Viens pas te faire un don de 400 euros juste pour que tu joues à Zelda Breath of the Wild. Non, mais j'aimerais vraiment beaucoup y jouer, mais bon, ça va attendre un peu. Au cours du dernier mois, sur quelle plateforme avez-vous joué à Genshin Impact PC ? Jace ! Merci pour ton prime beauté ! Ça va mon chat ? Comment ça se passe ta vie en général de toute façon ? Moi ça va. Jour où Pampan rejoue à Genshin, il va y avoir beaucoup de neige dehors. Oui, tu peux te passer de l'écran si tu as la carte d'acquisition, l'ordi te sert d'écran. Ouais mais c'est chiant parce que ça oblige que je... En vrai, je suis un peu une feignasse, mais ça oblige que je débranche mon écran de mon PC, que je mette mon écran de PC sur, ailleurs, tu vois, pour pouvoir jouer à la Switch. Et ça veut dire que du coup, ben, genre, faut que j'enlève ma cam qui est posée sur mon écran. Ça veut dire que du coup, je peux pas lancer, enfin, je peux pas avoir mon PC qui tourne en même temps. Enfin, genre, tu vois, genre pour une upload de vidéo, des trucs comme ça, avoir deux écrans, ce serait quand même beaucoup mieux. Et tant que j'ai pas mes deux écrans de PC, je peux pas faire le Switch aussi facilement. Au pire, dis à ta maman que tu vas te payer ton permis, mais tu t'achètes une Switch et le reste. Ouais, puis je lui dirais, j'ai raté mon permis. Si Genshin est sur Switch, ça sera viable. Oh, je pense, oui. Ça va être compliqué. Bah, c'est comme sur une PS en soi, donc oui. Hein. Faut que j'aille chez le médecin, car ma jambe me fait mal. Et genre, elle est très dure, je comprends pas. C'est une crampe ? Non. Mais attention à toi, mais va chez le médecin, mon chat, rigole pas avec ça, hein, ouais. Tu veux que je t'envoie Switch, télé et jeu par poste ? Oh, let's go, mes goumis foncent. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre expérience sur le jeu Genshin Impact lors des cours au cours des dernières semaines ? Je jouais déjà à Genshin Impact et je n'ai pas arrêté de jouer. Ça fait genre une semaine, une longue crampe. Putain la vache, mais ça te fait mal, genre t'arrives à marcher quand même ou pas ? Y a encore les reviews après le sondage ? Non, il n'y aura pas de review sur mon stream aujourd'hui, pas mal, pas aujourd'hui. J'étais en stage d'entreprise, c'était bien nice. T'as fait quoi, Bosscat ? Une GoPro sur le front. Oh oui. Mais après, du coup, vous verrez pas mes boobs. Ou alors, faut vraiment que je l'oriente en bas, quoi. Du coup, vous verrez pas mes pieds. Sauf si je suis assise. Pff, c'est compliqué. Hein. Enfin, je me mets assis en tailleur. POV, ta mère est sur le live. Ça va, maman ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus à l'heure actuelle lorsque vous jouez à Genshin Impact ? Collectionner des personnages ? Bah... Alors, faire de nouvelles connaissances, oui, en jouer et jouer avec des amis, suivre l'histoire de l'univers Genshin Impact, construire mon propre royaume dans notre série hier. Trois options! Ah, les énigmes! Ah, m'en fous des potes! L'exploration! Quoi? Me faire des amis? Non, je suis pas sur Genshin pour me faire des potes. Améliorer le niveau de mes personnages, participer aux nouveaux événements. Putain, mais il y a tellement de trucs. Autre. Je peux mettre tout ? Je peux mettre, genre, tout ? Je peux tricher et faire ça ? C'est viable, en vrai. C'est viable, en vrai. Tout. Fuck you.
Quel est votre niveau de concentration lorsque vous jouez à Genshin Impact? Très concentré signifie que vous ne faites quasiment rien d'autre lorsque vous jouez. Ça compte streamer ou pas? Du coup, je vais être assez concentré parce que je stream en même temps. Faites quasiment rien d'autre lorsque vous jouez. Ouais, je vais être très concentré. Enfin, assez concentré, quoi. Les potes, c'est optionnel alors que les coffres. Mama! Les amis, c'est passager. Les coffres, c'est pour toujours, bien sûr. Tout à fait. Tu es peu concentré. Toi, t'es peu concentré. Quels sont vos types de gameplay préférés? Géo. J'ai pas lu le reste. Ils ont dit quoi? Interaction entre joueurs ou jeu à plusieurs, échange d'objets, multijoueurs, défi testant les réactions, résolution d'énigmes, simulation de la vie réelle, jardinage, élevage. Oui! Ah, vos types de gameplay préférés? Ah ouais, d'accord, c'est pas sur Genshin. Ah. Les feux d'artifice sont éphémères, mais le. Oui. Ah non, Mazis, le. Les amis, c'est pour la vie, c'est vrai. Pas à l'aise avec le fait de montrer ma tronche parce que je suis moche. Mais arrêtez, wesh! Mamie, t'as oublié le thé. Oh, le thé, bien sûr! Collection et collecte d'objets d'archives, jeux de stratégie. Mais j'aime tout! Trois options! En vrai, je vais mettre jeu de stratégie parce que ça peut un peu englober la résolution d'énigmes. Simulation de la vie réelle, jardinage, élevage. Mais ça, c'est pour la théière. En vrai, je pense et j'adore. Je kiffe. Combat, défilé contre les monstres, donjons, etc. Collection et collecte d'objets. Bon, on va mettre ça. Parce que j'adore le Tower Defense. Quand Genshin Impact Nestis aura plus, chômage. Je suis au chômage. C'est moi. Simulation de vie réelle pour les femmes, cuisine, ménage, bien sûr. Évidemment, Cooking Mama, on connaît. Suivez-vous les chaînes Genshin Impact officielles suivantes? Non. 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 Oui. 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 Non. Oui. Jouez-vous à d'autres jeux en dehors de Genshin Impact? Oui. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux l'allocation de votre temps de jeu sur les derniers mois? J'ai passé tout mon temps à jouer à d'autres jeux. J'ai passé la majeure partie de mon temps à jouer à d'autres jeux. J'ai joué autant à Genshin Impact qu'à d'autres jeux. J'ai passé la majeure partie de mon temps à jouer à Genshin Impact. J'ai passé tout mon temps... Non, ouais, autant. Les combats sont plutôt dynamiques. Et ce qui m'a plu au début, c'est le système de réaction alimentaire. Sur Genshin, ouais. Hein. Ouais, ouais. Hein. Les combats sont giga fluides en vrai. Hein. Pollux simulation comme ma femme. Nanana. Well, you can play, but well, you smart, I'm a woman's man. Dans les 6 derniers mois? Bah 400 boules, hein, mais juste avec la bannière d'Ito. Hein. Pour quelle raison avez-vous effectué des achats en jeu au cours des 6 derniers mois? Parce que les effets d'un objet d'un personnage me plaisent. Pour augmenter mon efficacité en jeu, parce que mes amis me l'ont recommandé. Pour acquérir des personnages OSB populaires dans la communauté. Non, c'est pas parce que c'est pas les plus dans la communauté, c'est parce que je les veux. Cause d'une réduction d'une offre spéciale pour posséder ce qu'ont déjà les autres. À cause de prix attractifs. Pour certaines fonctionnalités de jeu requérant l'utilisation d'un personnage d'objet. Pour collecter davantage de personnages d'objets. Pour gagner en puissance en jeu. Pour acheter ce qui a trait à un personnage que j'apprécie. Non, c'était juste pour Albedo Ito. Hein. Bah, il n'y a pas un autre. Pour... offrir à ma communauté mes viewers, ça fonctionne, c'est des achats en jeu. Les abdodito, oh les abdodito, fameuse question de l'argent. Et oui hein. Que regardez-vous en priorité avant de télécharger ou d'acheter un nouveau jeu? La popularité du jeu, j'en ai rien à branler. Le fait que le jeu ait été recommandé par des proches. Oui, en vrai, ça joue un peu. Trois options. Oh. Le classement du jeu dans les médias spéciaux. Je m'en branle. Bouche à oreille des amis dans la vie réelle, m'en fous. Le fait que le jeu soit dérivé d'une œuvre déjà existante. Non. Le gameplay, c'est intéressant. La qualité du jeu, qualité des graphismes, qualité sonore. Le studio qui a produit le jeu, non. L'histoire et l'univers du jeu, un peu en vrai. Mais je peux pas. Bon, voilà. Vos suggestions sur le jeu Genshin Impact nous intéressent. Alors. C'est quoi cette catégorie jeu à orientation du public
féminin. Alors. Hashtag triggered. Hashtag balance ton jeu. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi cette catégorie? Qu'est-ce qu'on a comme... Go full mettre les réponses qui montrent qu'on veut jouer en ligne pour pouvoir avoir plus de contenu online. Ouais, en vrai... Alors, plus de contenu multijoueur. Qu'est-ce qu'on avait mis? Attendez, je pense que je peux retrouver ce que j'avais mis la dernière fois. Ça avait été épinglé, je crois, non, Mirai, si je dis pas de conneries. Genshin Impact. Général Genshin, message épinglé. Ouais. Possibilité de désactiver une constellation. Ouais. On le remet, ça. On peut faire CTRL-V ou pas? Plus de... Entrée? Je peux faire genre... Ah, je peux... Ok. Je peux pas faire entrée? Je peux pas faire entrée. Salut Toutou, comment tu vas? Parce que j'ai fait alt tab, il a pas aimé. Je peux pas, je peux même plus supprimer. Non. Eh ben on va pas le faire. Allez, voilà. Allez, hein, niquez-vous Genshin, hein, niquez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on devait faire? Super. Super. La forge, puis les plats pour le battle pass, bien sûr. Bien sûr. Je vais bien, tout va bien, pour le mieux. Sommes sur 69. Ah oui. Oh, coucou Climéro, ça va et toi? Vous êtes beau. Vous êtes doux et onctueux en vrai. Hein. Hiya! Bonjour monsieur. Hajime! Merci. J'ai froid, faut que j'aille monter mon chauffage. Enfin, lancer mon chauffage. Enfin, allumer mon chauffage. Enfin, pourquoi il n'y a aucun mot qui convient? Tu comptes faire quoi pendant ton 24 heures? On va faire que du Genshin. Que du Genshin, on va se refaire complètement une théière, on va avoir les poules sur Ito, on va faire des explorations, on va faire des trucs comme ça. Mais on peut pas copier-coller dans les enquêtes, je viens d'essayer, on peut pas. Salut Nozlin, comment tu vas? La bouffe. Qu'est-ce que j'ai pas fait comme pouf? Ça, on en a 15. Ah, ça n'en a pas, ok. Winnie's de 24h, demain à 16h. Je vais faire un peu de pub sur Twitter ce soir, si j'y pense. C'est demain le 24h à partir de 16h, effectivement, oui, bien sûr. Pourtant, j'avais récupéré le copy-paste. J'avais réussi à copy-paste? Bah, j'ai pas réussi, moi. Ça a tout fait planter, j'arrivais même plus à faire entre, donc bon. C'est genre des mois que je lui dis de le faire, il faut que j'arrête de passer pour qu'il y pense. Je pense que c'est la nostalgie, mon Poki. Hein. Il était nostalgique de l'époque où tu lui disais ça. Il te montre qu'il a fait des efforts pour toi et veut que tu reviennes. C'est beau. J'ai psy à 16h. Oh, mais après, c'est un 24h, donc tranquille, hein, ça dure longtemps. Vous inquiétez pas, techniquement, c'est le principe d'un 24h, ça va durer longtemps. Oh non, mais pourquoi faut attendre la fin, là? Cependant, le QSM, le questionnaire à soi multiple. Je bosse que l'après, mais c'est là que tu commences. Oh, mais c'est un 24h, mes chéris, quand vous rentrez du boulot, de toute façon. Sachez que la bannière, elle est à 18h, donc de toute façon, on se fait 4 multi à peu près à 18h. 4 multi à peu près à 18h, et puis après, toutes les demi-heures, il y aura une multi. Donc en vrai, vous avez large le temps. Hein. Goodbye, mes stream streak de 24h. Non mais après je suis désolée que ça tombe en semaine, mais ça j'y peux rien mes loulous. Hein. Ça je suis désolée.
Ça veut dire que demain, en sortant à 23h, envie de crever, tu seras là. Oui, moi, ouais. Oui, bah, pour le coup, oui, vu que c'est un 24h, je vous accompagnerai toute la nuit, toute la soirée, je vous accompagnerai tout le matin du lendemain, etc., etc. Hein. C'est le principe. Le principe, c'est le principe. Bah oui. Je veux me jeter, je passe mon après-midi à faire de l'explo à Mondodragon. Lélé, si vous voulez, vous avez les vidéos YouTube. Franchement, c'est pas pour faire de la pub, mais vraiment, sur mes vidéos YouTube, je me fais chier à mettre les timestamps pour, genre, quand est-ce que je fais de l'exploration à Dodragon, forêt de jade, source de jade, vallée tombée toi, etc. Si vous manquez des pourcentages d'exploration, vraiment, passez sur mon YouTube et regardez les timestamps. Hein. Vraiment, c'est... Si vous regardez ma vidéo, vous avez juste à regarder où est-ce que je fais de l'exploration sur telle zone ou pas. Et s'il y a une zone qui vous intéresse, vous regardez et puis vous faites ce que je fais. 24h sera tout un jour, quoi. Comment ça, c'est un 24h qui dure 24h? Enfin, Soussou, tu es cringe. Depuis quand t'es un YouTube, tu m'as rien dit. Mais depuis toujours. Mais vous regardez ma bio ou pas? C'est dans ma bio, les boys, hein. C'est dans ma bio et c'est posté tous les jours sur mon Discord. Hein. Toutes les vidéos que je poste sont postées sur mon Discord. Hein. D'ailleurs, merci à Poki. On peut remercier Poki infiniment pour m'avoir dit comment. Ce sera pendant le 24h le don de cerise. On est le combien? Le 13. Bah du coup, oui, puisque c'est le 15. Ouais, ouais. Bien sûr. Yep. Faire ça pour mes derniers pourcents. Ouais, ouais, franchement, n'hésitez pas. Il y a pas mal de gens qui m'ont dit que ça les aidait. Et du coup, si vous pouvez mettre un petit commentaire, un petit like, etc. En vrai, moi, ça booste mes stats et ça peut permettre qu'il y ait d'autres gens qui ont besoin d'aide pour l'exploration qui puissent en bénéficier. Ce serait cool. Ce serait cool, ce serait cool. Et puis moi, ça me donnerait un petit peu de visibilité. Et ça, c'est cool aussi, en vrai. Moi, je suis une connasse. Pourquoi Tenchi? Qu'est-ce que c'était que cette alerte? Oh ben voilà Aurélie, parfait. Merci beaucoup pour ton follow sur YouTube. Parfait, parfait ça. Pendant le QSM, non, non, oui, 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 non, oui, oui, non, ouais, ça oui, oui, ça non, 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 oui, non, oui, oui. Je retourne à ma disserte de philo sur Socrate. Ouh, bon courage Megumi, bisous, bisous. Bon courage, bon courage. J'adorais la philo aussi, je l'ai pas dit, mais j'adorais la philo. Les natures sont incroyables. T'as vu ça un peu, Idoros? Vous avez vu ça un peu le taf que je fais? D'ailleurs, Poki, est-ce que objectivement tu peux me dire si mes miniatures sont bien ou pas? Parce que hier j'étais en vocal avec Alex pendant une heure, un peu plus d'une heure, et il m'a dit, Soussou, faut qu'on reparle de ton YouTube, il faut qu'on reparle de tes miniatures. Parce que moi, en vrai, je prends trop de plaisir à les faire miniatures. Je suis trop fière de ce que je fais. Et Alex, il est venu hier, il m'a ruiné mes espoirs en deux minutes, quoi. Il est arrivé, il a fait « Bon, Soussou, par contre, c'est de la merde. » Ah. Ah, pardon. Ah, Goumen. Puis il envoie mon Albedo. Alors, on fait pas de review aujourd'hui. Ce sera pendant le 24h. Pendant le 24h. Sur ton Twitch, où il y a les réseaux, tu devrais rajouter YouTube. Sur mon Twitch, où il y a les réseaux, c'est-à-dire... Méchant Alex. Non, mais après, au moins il est honnête avec moi. Hein. J'avoue, bon. Oh la mat, c'est parfait ça. Merci beaucoup pour le follow. Putain, il y a un 24h demain. Oui, Dosbar. Oui, le 24h, il est demain à partir de 16h. Oh, les bouteilles. Le bouteille. En vrai, j'ai presque envie de faire commencer le live demain à 14h. Comme ça, peut-être que... Dès que la bannière arrive, j'aurai un hito. Ça serait tellement bien, mais bon. Du moment que tes miniatures sont... C'est deux tiers des boobs, c'est good. Ah bah du coup, non, alors. Quand on descend un peu, il y a Discord, ton TikTok, Twitter et tout. Bah rajoute YouTube, en vrai. Quand on descend un peu... C'est-à-dire... Quelqu'un peut juger mon albedo SVP? Bon, en vrai, tu me fais pitié, je vais juger ton albedo. Mais franchement, t'aurais pu attendre demain, Harlem. Hein. Ça te coûte rien d'attendre demain. Hein. Alors. Mais il est pas dans ta box. On me le time out ou pas? On me le time out, ça dégage. Non, mais attends, mais Harlem d'amour. Harlem. Mais Harlem, non mais faut faire des efforts enfin. 18h elle arrive la bannière, 18h.
18. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je ne sais pas. Ah si, je veux faire la quête de, des toutous. La quête des toutals. Arrête, c'est la rue. C'est rien, c'est la rue. Je suis en 50-50, 67 de pitié, j'espère l'avoir. Fonce en vrai. Fallait faire le Harlem Shake. Ah, let's do the Harlem Shake, hein, of course. Where is? Là. Regarde Discord, je t'explique ce qu'ils essaient de te dire. Ce qu'ils essaient de me... Ah! En gros, il veut que tu rajoutes YouTube ici dans ma bio. Alors, elle y était avant, mais ça servait à rien. Du coup, je l'avais enlevé. Mais oui, effectivement, il faudrait que je la remette. Dans ma bio, oui, effectivement, il faudrait que je la remette. Elle y était, fut un temps. Et elle a été dégagée parce que, bah, elle servait à rien. Mais oui, il faudrait que je la remette. Je crois pas qu'on puisse attraper les animaux. Normalement, si, à la fin de l'event, on peut, hein. La babale, elle sert à ça. Le babale. C'est où que je dois aller? Bonjour. Je cherche le point de départ. Faut que je fasse quoi? Objectif, parler à Ryuji. Ryuji! Voilà. Bonjour. Faut même pas pull Ito direct comme je dois attendre une pote. Oh, dur. Show l'espoir. Oh, la violence. Tu peux mettre mon OnlyFan aussi dans la bio, histoire de faire de la pub pour ton modo préféré. Bien sûr. Évidemment. Oh les wolves! Y'a wolf! M'en fous! M'en fous, pardon, je suis vraiment pas intéressée. Hein. Lis la quête, Soussou. Non, mais ça me saoule en vrai. Qu'ils disent clairement et que tu comprends pas. Bibi. Elle est trop bien! Ah. Ce chien ne veut pas sortir, il est malade. Oh le ouf! Touchez pas le chien! Ah merde! Alors, c'était cringe. Ça va le. Il est passé où le ouf? Il est parti. Demain je sors des cours à 18h. Bah, let's go! Waf! Quoi? C'est le chien en chef! Chien qui a du chien, c'est Ombre Noire! On dirait qu'il n'a aucune intention de nous attaquer. Waf! Waf! Et voilà parti. Il s'est retourné plusieurs fois dans notre direction. Tu penses qu'il veut qu'on suive? Rattrapons-le! Ce pourrait bien que la vérité se trouve droit devant, comme Sango l'avait prédit. J'espère s'est connecté au chat. Waf! Waf! J'adore le fait qu'il ait sa petite lame dans sa bouche là. Oh, il y a une lettre! Pouf, enfin, l'enfant rattrapé. Oh, ils étaient compliqués là. On dirait qu'il y a une sorte de lettre ici. Disons là, c'est notre seul indice à l'heure actuelle après tout. Waf. Laissez-moi voir. À qui, blablabla. Oh, c'est tout déchiré. C'est probablement à qui lira cette lettre. Sûrement, ça dit. Notre clan est spécialisé dans l'entraînement des Ninken. Nous avons fourni de nombreux compagnons aux ninjas. J'ai bien peur de ne pas pouvoir revenir sur cette dernière expédition. Je n'ai aucun regret, mais s'il me restait des craintes, ce serait pour Kageru Maru. Waf. Il était trop faible quand il était petit, il a été mis de côté quand les ninjas sont venus pour choisir leur ninken. Ça n'avait pas d'importance pour moi, en tant que dresseur je n'abandonne jamais un de mes chiens. Waf. À mesure que les jours d'entraînement ont passé, Kageru Maru est devenu plus fort. Malheureusement il ne veut pas s'associer avec un ninja. La guerre n'a pas encore éclaté mais les missives provenant du poste de police se font plus pressantes. Je n'ai plus le temps pour lui, il faut que j'y aille. Waf. Je ne peux que laisser cette lettre derrière moi. Si quelqu'un la trouve dans les jours qui viennent, prenez soin de Kageru Maru pour moi. Il y a une cicatrice sur la face qui remonte à quand il était petit. Et il se tient d'une manière très différente des autres chiens. Alors le Kageru Maru dont parle la lettre, c'est celui qui nous a amenés ici. Il est vraiment unique. Attends, il y a autre chose. Je comprends que cela puisse être présomptueux de ma part, mais je n'ai pas d'autre choix. Si jamais il voulait s'associer à quelqu'un dans le futur et qu'il parvient à amener cette personne ici, alors voilà comment fonctionne le contrat. Attendez, j'arrive pas à le croire. Celui qui a écrit cette lettre a barré la partie la plus importante. Pour le moment, pensait que c'était impossible. C'est vrai, il n'y avait aucune raison de penser le contraire, de prime abord. Waf! Waf! Vous la voyez ou pas? Mais vous ne la voyez absolument pas et personne ne m'a rien dit. Waf! Waf!
Moumou. Ouaf. T'en fous, hein. Tu m'aimes plus, hein. C'est pour qui, ça? Attends, tu veux lequel? C'est toi que tu choisis, mon puce. Alors, lequel tu veux? Fais ton choix. Lequel tu veux? Celui-là? D'accord, c'est bien. Poisson donc, hein. Petit prendre du petit saumon, là. Oh. Tu veux manger comme maman, en fait, c'est ça, ma grosse crotte. Bon, oui. Mais peut-être. Petite pustule. Que beauté. Yeah. Alors. Nananana. Ils sont encore enfuis vers un bâtiment cette fois-ci. Allons-y, soutane. En avant. Bonjour. Oh. Vois qu'Aline, cette petite maison, bien qu'en apparence vétuste, cache tout un monde à l'intérieur. C'est la théière! Nous eûmes commencé! Ça va et toi, Asl? Soussou, t'as oublié le thé. Oh putain, c'est vrai qu'il faut jamais faire un thé. C'est vrai, c'est vrai. Je fais ça et... Ombre noire! Ah bon? Ah mais c'est des petites bombes, c'est trop cute! Ah! Trop bien. Mais j'ai pas envie de le taper, moi, wesh! Si? Oh, laissez son arme. Mais pauvre chien, j'ai pas envie de le taper. Oh, mais non. Pardon. Genticien. 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 T'es doux. Genticien. T'as pas dit vous? Oh, quelle beauté! Regardez comme le beau! C'est mon tourou marou, ça! Ah. Non! Attends. Non, mais je veux pas te faire de mal! Da ouf! Non! Que beauté! T'as pas le ouf! Il est tellement gros! Oh. J'ai pas envie de lui faire mal, pauvre chien. Mais j'ai pas envie de le tuer. Ça va être toi, mon Tailgate. Capturé avec ma Pokéball, désormais il est dans ma théière. Oh, pas con. Non, utilisation impossible dans son jeu. Pardon le ouf! Mais je voulais pas! Bon, c'est déjà ça de fait, mais c'est bizarre! Kagero Maru avait l'air tellement gentil, en un rien de temps, il se retrouve à combattre! Heureusement que Soutane était là, hein! Oui. D'ailleurs, pourquoi Kagero Maru te suit partout, Soutane? Waf! C'est mon paravent qui me parle! Son avoinement a l'air joyeux! Comment tu fais pour savoir? J'ai rien compris du tout. Parce que t'es con, ça, Paimon. T'es con comme ton cul. Si je ne me trompe pas, Kagero Maru est désormais le Ninken de Soutane. Oh, mon Ninken! Non, mais tu manges pas mes sushis, Moumou! D'abord? Je suis pas un expert, mais on raconte qu'un ninja doit vaincre un Ninken pour que ce dernier reconnaisse sa force. Les ninjas, tout comme les Ninken, souhaitent un compagnon redoutable. Seule une reconnaissance mutuelle permet d'établir un contrat entre ces deux parties. Mais Soutane n'est pas une ninja, et puis... Qu'est-ce qu'il y a, Paimon? Elle va être jalouse. Moi, une promesse, Soutane. Laquelle? Promets-moi que tu la tiendras d'abord. D'accord, je tiendrai cette promesse. Même si tu as un contrat avec Kagero Maru maintenant, n'oublie jamais que c'est moi ta meilleure amie. Oh, elle est cute. Non. Elle est si cute. Moi. Ah, ma puce. Ah non, c'est de la sauce soja, tu bois pas la sauce soja, hein. Non. Non. Non, bah non. Ah, c'est pas bon, hein. Ah, bah c'est pas bon, hein. Mais c'est pas bon, hein. Bah non, grosse con. Bah ouais. Oui, pas quoi de tête. Je ne l'oublierai jamais. Tipeee. Oh, hein. Tu es déjà bien plus fiable qu'un chat ou un chien. Nous sommes les meilleurs amis du monde.
Je suis en de voir que vous entendez bien, mais si Kagerumaru est si fort que ça, pourquoi cette personne aurait-elle demandé à quelqu'un d'autre d'en prendre soin dans sa lettre? Je crois savoir Sutan est quelqu'un de fort, pas vrai? Oui, beaucoup plus que n'importe quel individu normal. Mais si un jour je devais la quitter, je me ferais quand même du souci pour elle, peu importe sa puissance. Ça n'arrivera jamais, hein? C'est juste une analogie pour illustrer mes propos. Sutan et moi sommes inséparables. Pim! Je dois me décaler. Ça marche, Tospar? Bisous, bisous! Boisou, boisou! Comment peut-on oublier le casse-croûte chèrement pêché en début d'aventure? C'est vrai. C'est vrai. Ton raisonnement est pertinent, Paimon. Dans ce cas, il nous reste une question. Pourquoi ce chien volait-il des petits animaux aux villageois pour ensuite les protéger? Je vous avoue que je ne sais pas trop, malgré ma grande sagesse. Ça se trouve, c'était pas lui. Dommage que Kagerumaru ne puisse pas parler, mais Sutan pourrait lui demander. Je pense qu'on devrait aller voir Sango. Ouais, c'est l'heure pour le cerveau de l'opération de montrer ses talents. Très bien, je vais aller rendre ces animaux et on retrouvera à l'agence. Let's go! Coffre? Coffre? Pas de coffre. Ah bah super. Bah let's go, j'aime bien. J'aime bien. Et bien quand l'emoji chichi? Il y aura pas d'emoji chichi sur ma chaîne. Hein. Il y aura pas d'emoji chichi. Hein. Malheureusement. C'est que des emojis géo, hein, moi. Que le géo pour moi. Que le géo. J'en ai marre de dessiner. Arrête maintenant, je joue à Genshin. Let's go. Fonce. Oh, c'était pas bon, hein, la sauce soja. Bah non. C'était pas bon, hein. Tu veux un petit truc pour rincer ta bouche? Genre un petit bout de saumon. Un petit bout de saumon. Du coup, j'ai plus de saumon dans mon sushi, Nick. Ah, c'est bon ça, ouais. Ah, ça dit badge VIP en cerise est en hommage à Mirai, bien sûr. Toute ma chaîne entière est en hommage à Mirai. Vous n'êtes pas prêts à quand je lui passerai les rênes de ma chaîne, hein? Quand je lui lèguerai là à ma mort. J'ai mis mon albédo dans la vitrine, mais j'attendrai demain. Let's go. Quand je décéderai. Nous revoilà Sango. Alors, voilà ce qui s'est passé. Ah, alors c'était ça. Je pense que j'ai une idée de pourquoi Kagerumaru voulait protéger les autres animaux. Il voulait certainement que les autres deviennent plus forts. Il était faible quand il était petit, il est devenu plus fort avec le temps. Probablement la raison pour laquelle il voulait entraîner les autres à devenir plus forts. Donc Kagerumaru a fini par vous trouver. Vous êtes quelqu'un qui protège les faibles, c'est pourquoi elle vous a accepté comme sa maîtresse. Cela vient également de son empathie pour les plus faibles. Enfin, ce ne sont que mes conclusions d'après les indices actuellement en notre possession. Pour ce qui est des circonstances exactes, je doute de m'être totalement trompée. Mais étant donné que Kagerumaru ne peut pas parler, on ne peut pas vraiment avoir de réponse définitive. Ça fait sens. Comme on pouvait s'y attendre de la part du cerveau de cette opération, pas vrai? Raf. Raf, raf. Wouah, t'es d'accord avec Sango? Vous me flattez, mais je ne vous accorderai quand même aucune réduction la prochaine fois que vous me confierez une affaire. Sinon, je pense qu'on peut considérer cette affaire comme close. Je vous remercie de votre aide à toutes les deux, Sutan et Paimon. Nous n'aurons pas pu élucider ce mystère sans vous. Ah, j'oubliais. Comment avez-vous trouvé l'utilisation du filet d'ubiquité? C'était très pratique. Je vois. Très bien. J'en toucherai deux mots à mon ami. On vous en prie, n'hésitez pas à faire appel à nous en cas de problème, Sutan sera sur le coup. Il est vrai que le voyageuse est d'un talent indéniable, mais vous n'avez pas besoin de m'adresser ces paroles aimables. Après tout, les sentiments de l'ennemi sont l'ennemi de la vérité. Ok. Ouais, peut-être un jour où je mourrai les boys, hein. Enfin, waouh, on a eu un chien. Il est où? Oh, le niveau 48, let's go. Oh, le carry. À ne pas confondre avec la carry qui, ça, pour le coup, n'est vraiment pas fun, quoi. C'est où ça, Kagerumaru? C'est pourquoi? C'est pour la théière? C'est pour ma théière? C'est dans ma théière? C'est Kagerumaru pour ma théière? C'est dans ma théière? C'est pour la théière? Je peux le mettre dans ma... Oh! Thank you.
Nique ta mère, le chien random. Beauté parmi les beautés. Hello toi. Coucou toi. Oui. Beauté. Non oui. Waouh. On va lui faire une petite niche à l'extérieur. Ouais. Non mais là pour l'instant il on va lui faire une petite niche à l'intérieur et à l'extérieur. Alors. Là ce sera bien je pense hein. Qu'est-ce qu'on a comme mur? Ça c'est du droit, ça c'est du droit, ok. Ça, on prend. Ça va faire petit en vrai. On va changer ça, je pense. Box, mettre ça comme ça. Non. Droit. Ouais. Angle. Ouais. Ok. Ça veut dire que celui-là, box, doit être en droit. Voilà. Et là, on va se mettre une petite porte. J'avais mis quelle porte déjà pour ça? Je sais plus. Ça fait pas une bonne porte, ça. Hein. Non. Ça, c'est beaucoup trop grand, non? Ouf! Ça loge pas, ça. Attends. Bah ça loge mais bon pas vraiment quoi. Si je le mets genre là, est-ce que je peux mettre un petit mur là? Pas vraiment. Ça c'est trop grand. C'est stylé, mais c'est trop grand. C'est un poil un peu trop impressionnant. Petite porte. Mais... Après, en vrai, ça... Non. Bon, ben, je crois que c'était dans paysage. Non. Topographie? Non. C'était où? Enceinte? C'était ça peut-être? Non. C'était où? C'était une barrière, je crois que j'avais mise. Hein. Ça va être un signal? Glitch-les au pire. Bon, c'est pas fun. Si? Je sais pas. Sous les petites barrières, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Décoration avec ça. Ah, c'était ça, je crois. Ouais, c'était ça. C'est pas très impressionnant, en vrai. Hein. C'est pas sympa de ouf. Hein. Pas incroyable. Hein. Essaye de glisser comme tes viewers en attendant. On pourrait, mais je sais même pas si. J'ai la flemme. Mais en vrai, c'est qu'il y a même pas de porte qui irait bien, quoi. Il y a pas de porte qui irait bien, en vrai. Genre, ça, c'est à peu. Enfin, c'est celle qui va le mieux, je trouve. Et en vrai, je pense pas que j'aurais besoin de glitch. Hein. J'ai juste besoin de trouver un mur qui va bien.
Non, je sais pas. Ça, ça va bien, en vrai, je trouve, comme mieux. Bisous, Pandiacusa! Qui veut un New Shiny ou un Arceus Shiny sur Pokémon Rosa? J'en ai 20 de chaque. Putain, wesh. Damn, son! Genre, en vrai, si je le mets comme ça. Oh, ça passe très bien là comme ça. Oh non. Pas forcément besoin de glitch. Est-ce qu'on peut mettre pour proposition de réception de Pokémon Hack? J'en sais rien, Poki, en vrai ça c'est à toi de gérer, je connais absolument pas. Donc ça c'est toi qui vois, mon chat. Hein. Tu fais comme tu le sens, en vrai. J'y vois pas d'inconvénient. Là-dessus, tu fais vraiment ce que. Tu fais ce qui te plaît, BG. Hein. Ah mais c'est le truc juste, il faut que ça, pas que ça se clip. Confirmé. Ça, aliment de décoration. Voilà. Voilà. Parfait. Oui, il n'y a pas besoin de glitch. Enregistré. C'est un bel abri déjà. C'est un bel abri déjà. Ta-da-da-da. Décoration extérieure. Qu'est-ce qu'on met comme petit truc pour notre toutal? Notre petit toutal d'amour. Tabouret, on s'en fout. Table, on s'en fout. Bon, ça, je suis pas sûre que ce soit incroyable. Ça, on s'en fout. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Alors, enceinte, il y aura rien d'intéressant, je pense. On va pas lui mettre une fontaine, hein. Ça n'a pas bien l'intérêt. Ça, pour qu'il puisse dodo. Est-ce qu'on lui met ça comme, comme niche? Ou est-ce qu'on lui met ça plutôt? Ça sera peut-être mieux en vrai. Hein. Ça sera mieux, je pense. Hein. On peut pas mettre de dalles, j'imagine. C'est donc quoi les dalles? Je sais pas. Topographie. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme petit caillou? Petit caillou, petite plante. Voilà. Pas besoin de ça, pas besoin de ça. Il va nous falloir des sacs de croquettes. Alors déjà, il va nous falloir un petit seau. Qui soit croquettes. Ça, ça va être pour le... Non, c'est trop grand pour un glouglou. Mais ça peut faire une petite baignoire, en vrai. Hmm. Ça, c'est pour jouer avec lui à lancer le bâton. Parce que, bien sûr, il faut jouer à lancer le bâton. Ça, ça fait un bon seau ou pas pour le nom-nom? Oh, ça passe, hein. Je trouve ça passe, hein. Où ça? Ah ça, il y a de l'eau dedans. Ah oui, mais ouais, mais il peut pas boire dedans ça. Si. Je suis vraiment en train de me demander si mon chien en pixel peut boire dans un truc en pixel ou pas. Mais lui un onsen. Oh, j'ai pas la place hein les boys. Petite boîte là, petite boîte pour ranger les croquettes. Petite boîte à croquettes là. Mmh. Of course. Ça, et puis y a pas des petits sacs? J'ai pas des sacs plus petits que ça? Hmm. Non, on peut pas mettre de trucs dedans. Bon, faut glitcher, mais bon. Bah, je pense, hein. Ouais. Ah. Ouais, non. Bon, de toute façon, ça fait pas joli comme sol. Hein. Mm-hmm. Non, bah, c'est bien comme ça.
Il n'y a pas d'eau là-dedans, on est d'accord? Non, il n'y a pas d'eau. Bon, on va hop, ranger ça. On va dire que ça, c'est l'eau et ça, c'est la bouffe. Voilà. Parfait. C'est un zoo, en fait. Quoi? Salut, Albedo. Redark Fury. Ta-ta-ta. J'ai pas bien suivi, c'est avec quelle constellation que Goro, il nettoie sa litière tout seul? La 27, constellation 27. Tu peux le mettre en dessous, mais il faut d'abord mettre la dalle. Ah, tu peux, mais il faut d'abord mettre la dalle? Bah, après, je sais pas, on va tester, attends. On va tester. Ça, c'est trop petit comme dalle, ça. Comparé à ça. Ouais, c'est trop petit. Attends. Ok. Donc là, faut que je décale ça. Que je mette la dalle en dessous. Genre là. Et que je peux remettre ça après dessus. Non, je pense qu'il faut que ça couvre tout le dessous. Hein. Ça m'a l'air plus grand déjà. Hop. Voilà. Ah bah oui, parfait. En vrai, c'est peut-être mieux comme ça. C'est plus propre, hein. Moi, c'est plus sympa comme ça, j'aime bien. Hop. Et puis, un petit buisson. Un petit buisson qui va aller à l'inverse. Ça, ça va là. Ça, ça va. Là. Et ça, ça va ici. Parfait. C'est mieux comme tout, ça. Ah, et du coup, bon, non, c'est pas mal comme ça, j'aime bien. Hein. C'est pas mal, hein? Ça, là, je préfère perso. Oh, en vrai, non, j'aime bien comme ça. Il faudrait un... Là, il faudrait glitcher un truc dans le sol. Là, il faudrait glitcher un truc dans le sol pour avoir un... Genre un sol qui est plus sympa, quoi. Mais bon, un petit coussin. Bah, y a pas, hein. Ça fait un peu vide à droite. Ouais, je suis d'accord. Après, c'est qu'il y a des petits bouts de bois. Est-ce qu'on pourrait... Ah, on peut mettre les petites balles. On peut lui mettre des petites balles aussi pour jouer. Il y a beaucoup de balles, mais on peut faire ça, hein. On peut mettre le coin jeu, là. Non. Ah. Tia, 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 tia. Parfait. Avec les petits bâtons. Voilà. Des balles. Des balles. C'est pas mal, ça. On est bien, là. Ouais. Et puis... En vrai, on pourrait se mettre un stock de... Attends. Ah, c'est trop gros. Je vais mettre un stock de bouffe, là. On peut lui mettre de la litière. Non, je peux rien mettre dedans, là. Ouais, non, je peux rien mettre dedans. Enfin, faut glitcher, quoi, mais bon. Peut-être avec des plantes. Bah non, même pas, hein. En vrai, j'aurais pu mettre des jolies plantes, hein. J'aurais pu mettre des vraies haies, hein. Ah, mais il est là, mon truc de croquette. Je suis trop con, moi. Ok. Ça, box. Ça, croquette. Nice. En vrai, attends, ça, par contre, on peut le mettre là ou pas? Et ça, on peut le mettre là, hein. Petite croquette, petite eau, là. Petit croc-croc, petit miam-miam, là. Oh. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Putain, je suis vraiment la pire. Truite. Vraiment une truite. Il est où? Là. Le bucket. C'est ça que je veux. Ok. Et... Oh, on peut lui mettre de la musique. Oh, ça, c'est un bon chien, ça. Là, j'avoue, c'est un peu vite. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bonne lumière, une petite lampe. Bien sûr. Ça, ça va être une grosse lampe, ça. Peut-être pas lui mettre des bougies, c'est risqué. Une petite lampe comme ça. Avec En vrai, attends, celle-là, j'en ai qu'une. Celle-là, on va la garder. On va mettre celle-là, là. Tinky Winky.
Hop, parfait. Et puis on va en mettre une autre en face, là. Voilà. On peut la mettre en dessous? Non, toujours pas. Là, comme ça. J'aime bien ça. Merci Maddy pour ton follow et merci Zaïd, le vrai. Merci beaucoup pour vos follow. Prévois une place pour Gourou. Attendez, on va essayer de le mettre dedans pour voir. Viens là, mon Tarumaru. Tarumaru? Oh, en plus, il fait nuit, c'est incroyable. On va pouvoir tester les lampions, là. Vous avez une maison, vous? Choquet. Choquet déçu. Hop là. Enregistré. Hop. Ah, le chien est mieux traité que Gourou. Bah attendez, c'est parce que vous n'avez pas encore vu mon Gourou, mais... Tranquille, tranquille. Hop. On va mettre le Tarumaru dedans. Oh, j'aurais pas la place. Qu'est-ce que je peux enlever pour avoir la place? Ça. Ça. Putain! Toi! Oui! Est-ce qu'il est bien là? Attends, on peut le mettre là? Non. En avant, Tarumaru! Oh! Ça va, mon Tarumaru? Il sort, ça veut dire qu'il aime pas, vous pensez? Tape-le, mais ça va pas. Oh, let's go! Incroyable! Waouh! Waouh! Hé. T'es battu! Oh! Ah! Tellement cute. Bah oui, mon Tarumaru, c'est bien ça. T'es un bon chien, ça. T'es un bon chien. Assis! Non! Non, pas remue la queue, j'ai dit assis! Non, assis! Assis! Tu. Il y a tout à refaire. Hein. Assis! Toutou! Fais le beau. Fais le beau. J'ai dit fais le beau, pas montre-moi ton cul. Non mais insupportable. Tarumaru! Oh putain, je vais t'apprendre. Comment ça se passe dans ma théière? Fais le beau! Oui, t'es bien, t'es beau. Ça, c'est un gentil chien. Ça, c'est un gentil chien, t'es gentil ça. Ça, c'est gentil. Assis! Assis! Cucu! Il veut pas. On fait Miraille. Allez, assis! Non, pas fait le beau. Bon, il est con. Il est con, mais qu'est-ce qu'il est bas haut! Non, il est trop cute en vrai! Bien sûr, il a même fait un petit chenil là. Beauté! Ouais. Fais Pollux. Fais la roussette. Fais la roussette. Genre, petite roussette. Ouais, il se défend avec son épée, c'est trop bien. Comment t'as le chien? C'est en finissant l'événement qui est en cours, là. C'est en finissant cet événement-là, là. Éliminer Kagerumaru sans vous faire toucher par son arcanin. Ah. Sans vous faire toucher par l'attaque de zone de son arcanin. Eh bah ben let's go ça, genre easy peasy lemon squeezy. Trop cute. C'est trop mignon.
Ouais, bon, ça passe. Le chien supérieur à Gorou. Ah bah super. Super. Ah ouh. Tendo Bansho. Let's go. Par contre, quand on se fait toucher pendant l'ulti ou pas? Ah, c'est cette attaque là qu'on doit pas se faire toucher? Le truc électrique ou pas? J'aime pas regarder. J'ai un cas là déclenché par le albédo là. Un plaisir. Nice. Bon, bref. C'est vrai, papa, ne pas toucher par son arcana Bunshin Geo. Bunshin Geo, il fait une compétence Geo. Ton albédo c'est 2? Non, albédo il est toujours c'est 0. J'ai une quête de réputation, j'ai dû donner... je dois donner 15 carottes à je sais pas plus qui. Let's go, hein. Let's go, hein. Tu viens de te faire toucher par l'attaque en à peine 5 secondes. Je sais pas laquelle c'est un truc géo. Bouge. Salut. Bonjour, Stami. Bonjour. Attaque plongeante et bombe. Ça, il se transforme en bombe. Ah, ok, d'accord. Ok, ok. Kosa shinasai. Et pousse. Ouais, il y a quand même vachement moins de dégâts que normalement avec ce nouveau set Geo. Hein. Malheureusement. J'arrive pas à avoir des artefacts assez bien. C'est quoi qui lui a fait autant de dégâts? Bon bah en tous les cas... voilà. En tous les cas, voilà. Elle continue de taper chien SPA. Mais c'est parce que c'était pour les récompenses. Non? Vous tapez pas des chiens pour des récompenses? Salut Neox, comment tu vas? Shield de Noël, de def de Géo sur Noël peut-être? Non mais c'est juste parce que mes artefacts sont pas bons hein. C'est juste parce que j'ai pas des artefacts qui sont incroyables, mais genre par exemple si je mettais... Je crois que c'est une plume que j'ai chopée là qui était très très bien. Ouais, j'ai ça qui est pas mal en vrai. Hein. Je crois que c'est une fleur que j'ai chopée qui était vraiment incroyable. Ouais, la fleur par contre elle est incroyable. La fleur elle est incroyable. Mais oui, là, pour le coup celle-là ça sera bien mieux. Sablier, je crois que j'ai que ça. Hein. Taux crit, recharge énergie, attaque pour 100. Ouais, dégâts crit, ouais, à peine de taux crit en vrai. Pas ouf. Ça, bon, ma bonus de dégâts joué, elle pourrait être bien mieux, mais bon, pour l'instant, je laisse ça. Et puis le chapeau en dégâts crit, ouais. Ouais. Mais c'est que mes stats sont pas incroyables, hein. Dédicace à Mirai, bien sûr. Mais mes stats sont pas incroyables, hein. C'est pour ça que. Surtout que j'ai. Enfin, j'ai très peu de def en vrai. 2000 de def sur Noël, ça passe, mais c'est pas incroyable, quoi. Faire taper par Soussou augmente la libido. Je note. Ah peut-être, je sais pas. Pour avoir des artefacts légendaires, il faut être R45 et faire des donjons d'artefacts. Tu as par exemple ce donjon d'artefacts là, qui est le tout nouveau qui vient de sortir. Cours d'hibernation. Et en fait, il faut vraiment attendre d'avoir le niveau 4, où tu peux avoir 100% de chance d'avoir au moins un artefact gold. Avant ça, t'as pas 100% de chance. Donc avant la R45, c'est pas intéressant de faire des trucs comme ça. Bon, j'aurais mes primes et mes trucs à faire en vrai. Pour le Battle Pass, ça compte. Dépenser des moras, terminer des défis de donjon, défis d'énergie, terminer 3 requêtes, 3 primes. Un total de 1000 pièces.
Fabriquer un total de 10 décorations et ça faut que je le fasse. Faire des achats auprès, ça je peux pas le faire. Terminer 3 fois le tournoi de la conquête, c'est un effet de tournoi du jour. Bon, en vrai, je pourrais faire un Storm Terror vite fait à niveau 1 là. Je pourrais faire un Storm Terror en boucle là. De niveau 1. En plus, ça fait super longtemps que je l'ai pas fait le Storm Terror. Entre de Storm Terror. Tu refills aujourd'hui du coup? Bah non, je pense pas parce que refill ça me voudrait dire moins de primogèmes. Donc ce que je gagnerais en résine. Au final, il faudrait que je le paye de toute façon en refill demain. Donc bon, est-ce que c'est vraiment stonk? Je pense pas, non. Non, 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 je ne pense pas. Parce que là, déjà pour demain... Pour demain, il va déjà falloir que je dépense 80... Pour avoir 80 vœux, 80 fois 160, ça fait... Un pack à combien, ça? Ça fait deux packs à 100 balles? Beaucoup. Salut Ademi, comment tu vas? Avec la Tichy Gang. Stamtor, il est pas immunisé. Cryo, hein. 100 euros, c'est 50 vœux. Ouais, bah c'est ça, ça va faire deux packs à 50 balles. Ça va faire deux packs à 100 balles, pardon. Bah non, vous pouvez pas, je suis toute seule. Storm Terror, on peut pas le faire en multi, ça sert à rien. Ouais, donc demain déjà, il va falloir que je dépense 200 balles. Déjà demain, ça va être le 200 balles. En vrai, on va attendre avant de refill parce qu'il y aura les astéries, il y aura les trucs comme ça et tout qui vont rajouter, mais... Mais oui. Vous pétez le pack à 100 euros et pète le Yuk. Le Yuk à quelqu'un aussi, bah let's go! Le bon Yuk là! Oya! Bon, je sais pas si c'est ça. Le puzzle de 1500 pièces que j'ai acheté, on a en fait 1499. Bah, go te plaindre. Go juste te plaindre en fait. Honteux. Honteux. Je vais mieux et toi, ça va. Ça fait 3 jours maintenant que j'écho pour Xiao et Ganyu. Je suis à 24 vœux, propre nom. En 3 jours, c'est très propre, hein. 3 jours, c'est très très propre, hein. Je finis un puzzle qui était de 3 à 5 ans pour le faire. J'ai mis 2 jours, donc je suis... Donc ils se sont foirés. Ah bah, clairement, hein. Là, clairement, hein. T'as été tellement rapide, mec. Franchement, trop trop fort. Tellement démodé, Storm Terror. Je le one phase 1, le pauvre. Bah oui, hein. Un peu tristounet le pauvre dragon. Le pauvre draconide. Hey Neliero, comment tu vas? Tu sens bien, ça fait 1000 ans que j'avais pas fait, hein. C'est super dur de poser ça. Je vais essayer d'avoir les trois, mais déjà le pilier se met même pas en haut, donc cool, ça fait pas de dégâts en fait. C'est la douille. Ok. Utilise le MCGO en main DPS. Oh la giga flemme, hein. Des dégâts si je suis en hauteur ou pas? Non. Mmh.
Salut. Encore. Comment je lui fais avec le... Wow, pourquoi... Qu'est-ce qu'il me fait mon téléphone? Ah, j'ai un message. Tengo un message. Ah, c'est Tata. Tata la plus belle de toutes les loutres. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma douce? Non, ma pauvre loutre. Je vais avoir un petit message après. Je l'appelle. Pourquoi tu prends pas les fleurs? Parce que j'ai pas la résine pour. Parce que j'ai pas la résine pour et de toute façon ces récompenses m'intéressent pas. Imagine tu fais des nouilles instantanées. Oh, c'est tellement bon les nouilles instantanées. J'aime bien les nouilles instantanées, mais genre tu sais, tu rajoutes 2-3 trucs dedans, genre des petits champignons, un petit peu de sauce soja, des conneries comme ça quoi. J'aime bien. En vrai, c'est un bon moyen pour rendre tes nouilles instantanées dégueulasses, un truc ok en vrai. Un chien de 3 moules. Ouais, ouais, en vrai. Salut Damzou, comment tu vas? Je comprendrai jamais pourquoi ton compte sur lequel tu streams, c'est pas le même que le compte sur lequel tu parles. Je ne comprendrai jamais. Un duo de furet, bien sûr. Évidemment. El duo de ferret. Clairement pas sur le compte. Kokonyori. J'ai pas vu combien j'ai mis, mais ça avait l'air de faire mal. Ça va être un Dark Soul. Il a déjà dit, c'est parce que sur ce compte, il a le badge fondateur. Ah mais oui, c'est vrai, je suis con, j'avais oublié. Pardon. My bad. Comment on fait pour avoir le doudou? Le doudou? Ah, tu parles du toutou? Faut finir l'événement en cours? Si c'est de ça dont tu parles. Eh oui! T'as deux niveaux d'un coup là, dame, le stonk. C'est ça pour Titi, je crois. Non, c'est ça? C'est lequel pour Titi? Non, je sais pas. My bad, j'en sais rien. Tout. Du coup, Soutane, on peut pas attraper les animaux, du moins j'y arrive pas. Bah attends, je sais pas, j'ai pas encore fini le truc. Après, ce sera peut-être genre à la fin de l'event, hein. À gauche, je crois. Prospérité, ok. Merci. On peut faire un vœu perma. Wouh! Le 5 star. C'est pas la fin. Genre, tu sais, quand l'event se termine, peut-être qu'on aura une quête ou je sais pas. Je sais pas, le doudou que tu as sur l'épaule. Ah, ça, c'était un événement. C'était un événement, mais ça revient. C'est la deuxième fois qu'on l'a, donc ça va revenir d'ici pas longtemps, je pense. Hein. On veut Titi. J'avoue, on veut Titi. Oh, la chance de la Titi. Bien sûr. Idoros de Wish. Mais. Quand c'est Idoros de Wish? Titi gang. Titi gang. We want more Titi. More Titi. Titi. We need more Titi. Titi. Hello. Hello, Titi. 3, 2, 1, Titi. Dommage. Ah, on était à ça. À ça. Oh, quel dommage! Bonne année! Non.
Si. J'aurais dû faire ça avant l'invocation, c'est my bad. J'ai troll. C'est moi, j'ai troll. Go battre Lolo avec Chiching, mais on l'a déjà fait. Et ça prend 1000 ans. À peu près. Non, 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 non. Ouf. Nana, nana. Achète des poules sous t'as 800 de primo. Ouais, c'est fait. Titi. 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 En vrai, on lance pour Yunjin, j'aurais ce qu'il faut. Hein. En vrai, on lance pour Yunjin, je pense que j'aurais ce qu'il faut. Hein. Faudrait que je forme la prise, mais ouais, je pense que Yunjin, on va pouvoir lui mettre quelque chose. Hein. Je pense Yunjin, il y a déjà quelque chose. Hein. Si c'est pas l'un, ce sera l'autre. Hein. Prends le mini pack de Primo, ça me trigger de voir 399. Si tu me le payes, let's go. Hein. Non, qui me fait un petit don de 5 balles là. Allez les boys, c'est pour la bonne cause, c'est pour être à 400. Roche noire, sérieux, j'ai pas roche noire. C'est vrai. 399 pierres de la fatalité en combien de temps du coup depuis la bannière de balle. Depuis la bannière de balle. Ok. Pouah. Craquer la thune. Faut craquer la thune. Faites pas les rats. 400 vœux en 3 mois. Ouais, mais après, j'ai payé. Hein. Faut pas oublier que j'ai lâché la thune. Je me suis acheté tous les packs. Hein. Yo. Hey, ça y est. Tellement cute. Écoutez, un petit bruit trop cute. Trouvé. Chichi main DPS. Chichi main DPS. Qui a réussi à attraper les animaux avec le filet? Attendez, on va tester ça tout de suite. Normalement, les renards sont chopables. Des gens pour voir le set électro. Oh, je suis sûre qu'il y a des gens pour ça, oui. Il ne fonctionne pas. Ils vont commencer quand les lives de 14h quand j'aurai le temps. Là en fait en ce moment je me couche super tard à 7h du matin. Donc ouais il faudrait que je me couche plus tôt. Pour espagnol, mais qui a une chaîne YouTube avec des vidéos Genshin absolument géniales. Connais pas. Oh, j'ai pas encore fait ça. Oh non. Oh non, 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 non. Ça va. Nice. Kensei! Il a mis un 4-7 mon bébé là! Qu'est-ce que c'est que cette épée? Ah non, c'est la bonne épée? Bon, bref. J'ai pas envie d'avoir mal. Tu récupères pas les primos d'essayer, c'est adopté? Bah, c'est ce que je vais faire! C'est ce que je vais faire! Blablabla! J'ai fait 14 millions de fois. Ah ouais? Non,
La mort du fan. Bam, 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 bam. Oh bah super, ça c'est une personne. Let's go. Nya. Bonjour. Bonjour. Nice. Chose-ange avec Baby Yoda et la peluche Morax. Il me la faut, la peluche Morax. Je veux. Il met trop de gaz d'allumette, je me sens pas bien. Émaner des gaz d'allumette, pourquoi tu fais ça? Possible de faire 1 million de dégâts avec Barbara? Oui, ça doit être possible. Je sais pas. Non, putain. Est-ce que je suis la première personne à qui ça arrive, genre à chaque fois, ou est-ce que vous aussi des fois vous avez du mal à récupérer ces récompenses ou pas? Genre, est-ce qu'il y a vraiment que moi qui m'explique ça, ou est-ce que vous aussi ça vous arrive un peu? Faut que je sache si c'est vraiment que je suis con ou si c'est un truc qui est mal fait. Je fais pareil? Ok, merci Mireille. Je suis rassurée. Je suis rassurée. Je sais pas, mais genre à chaque fois que genre j'ai fait le truc là, au lieu de cliquer sur récupérer, je fais toujours cliquer sur débuter l'essai là. Tant que sur manette c'est pire, ça se joue à une touche quoi. Ah oui d'accord. Sur play c'est la même. Ok. Je voulais allumer le feu mais je me suis trompée, du coup j'ai respiré l'odeur là. Attention à toi. Attention, attention. Dans une prime qui augmente les dégâts des attaques plongées. Stylé. Stylé, stylé. Il est quelle heure? J'ai la dalle. 19h25. Il est que 19h. Je suis éclatée. En vrai de vrai, je pense qu'on va pas tarder trop à quitter le stream parce qu'il faudrait que je me repose. Faudrait que je me repose pour le 24h demain. Comme ça, là, ce soir, j'ai le temps de faire tous mes... Il faudrait que je fasse des TikTok, en vrai, ce soir. Comme ça, ce soir, je fais mes TikTok, je fais mes contenus YouTube, je mets les timestamps. Je vais essayer de faire tous les timestamps de toutes les vidéos qu'il y a sur mon YouTube, là. Comme ça, j'aurais pu y revenir. Et puis, comme ça, demain, le 24h, on est bon. Je pense qu'honnêtement, il faudrait que je dorme, là. Enfin, il faudrait que je me couche pas trop tard ce soir. Comme ça, demain, si jamais je me réveille tôt, je me rendors. Et si jamais je me réveille tard, bah tant mieux, parfait. Ouais. Bon, du coup, je suis désolée, on n'aura fait aucune récompense en point de chaîne aujourd'hui. Mais en vrai, demain, je vais largement me rattraper vu qu'il y aura le 24h. Et du coup, vous aurez, entre guillemets, Dora l'exploratrice illimitée. Vous aurez les explorations gratuites illimitées, etc. etc. Je pense que... je pense qu'on sera large. Ouais. Je pense qu'on va se laisser là-dessus. Parce qu'il faut que je dorme. Il faut que je me repose ce soir, cette nuit. Et demain, il faut que je fasse des courses aussi avant le 24h. Prends une douche chaude pour te réchauffer pour dormir. Oh oui. Bon, on va faire un raid par contre. Hein, parce qu'on quitte jamais un stream sans faire de raid. Hein. On ne quitte pas un stream sans faire de raid. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme personne à raid? Ah oui, Mirai, dis-moi tout. Maniac? Oh, bien sûr. Évidemment. Ça fait, je crois, ça fait 2 soirs de suite qu'on fait des raids Pokémon, non? Bon, en tout cas, mes chéris, je vous fais des gros bisous. À demain pour le 24h pour ceux qui seront là. En vrai, j'espère que vous serez là. Ça fait toujours super plaisir quand vous donnez la force sur les 24h parce que c'est pas des trucs qui sont faciles à faire. Et je vous le dis tout de suite, mes chéris, pendant le 24h... Pendant le 24h... Je vous préviens tout de suite comme ça. Hein, pendant le 24h, donc demain... Demain, il y a 12 faveurs de l'astre à gagner. Vous en faites ce que vous voulez. Je vous fais des gros bisous, je vous aime très fort. À demain. Soyez là sur le stream. Bisous, bisous, mes chéris. À demain. Et bon raid. Soyez gentils avec Maniac, c'est vraiment mon papa du stream. C'est vraiment l'amour de ma vie. Donc vraiment, faites-lui des gros bisous. Et soyez gentils avec lui, il est vraiment adorable. Gros bisous, mes loulous.